Et on va aller dire coucou à tout le monde. Bouh les petits cons! Véreux. Non, c'est les pentes de chaussures de clown. Pardon. Sans forme. Ça commence bien. Oh là là. Change un peu de disque parce que c'est des petits cons. Ouais, surtout qu'il y a des grands cons dans le lot. Ouais, non, mais ça adore aussi, c'est ce que tu dis. Bonsoir tout le monde. Coucou. D'accord, bon, faut que je change de petit con à passer à grand con. On y va, on rentre dedans ou... Ah. Non, trop de compliments, après ils vont plus rien faire. Pas trop les complimenter. J'ai même pas cliqué sur elle. Les sur Discord, Spookies. Spookies, ouais. Il n'y a pas de sang pour moi, c'est dommage. Mais normalement, tu devrais avoir. Tu aurais dû l'entendre. Moi, je l'ai entendu. J'ai bien fait d'un bébé. Tu vas morfler. Tu vas morfler. Je vais faire une petite. Ouais, on te défait. Tu vas morfler, je te déteste. Ça marche. Ah. Bah, il a eu le TP au moins avant qu'on rentre. Je me sens pas de faire tout le chemin. Hein. C'est moi qui ai eu le TP ? Non. Attends, au pire, je vais quitter les groupes. Non, je sais que là j'ai un problème, je sais pas, je voyais pas que ça. On retourne à l'entrée. Tu vas morfler ! Je sais. Ah. Ton premier sub, je te l'avais dit. Ouais, t'en as bien profité pour être le premier quand même. J'hallucine. Mais du coup, tu l'as pas entendu. Non, j'ai pas entendu le son. Attends. On va arranger ça. Il est part au rock. Ah, t'es prêt à écouter? Okay. Attends. Ouais, c'est bon. Attends ou c'est bon? C'est bon. Okay. Miller, tu peux cliquer s'il te plaît? C'est fini, peu importe. Mais j'ai beau cliquer dessus, ah ouais. Ça marche pas. Hein. C'est bon, tu l'as entendu là? Tiens, c'est le portail de Race. Voilà, comme ça tu l'as eu. Ah là là. Ouais, j'allais dire Thorak dégage de là, mais c'est healer. Bon merci, je suis déjà dedans, easy, merci. Ah oui, hein. Vous taquez ? Oui, t'es au bout. C'est pas un plaisantin, lui, hein. Bon anniversaire, Spooky. Ah ouais, bonne anniv. Bonne anniv. Oui, bonne anniv. Mais non, je te l'ai déjà souhaité tout à l'heure. Bah, pas moi. M. Manque plus que la migration, hein. Tu prends un feuillet, tu vois. Oh là, ça fait bizarre, la sensibilité. Bonsoir, bonsoir. Ah bah ça va. Allez. Ouais, moi aussi j'ai du mal Toto. Oh non, avec la Kia, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. C'est quoi ce bordel? J'ai du mal. Ok, je m'en vais, salut. Au revoir, bye. Je fais carrément trois quarts de tour vers la droite, quoi. Genre, en même temps, si Toto était sensible, ça se saurait, hein. Alors, ça se voit que t'as pas joué à Apex juste avant.
Ah non, merci. Steve, on n'a pas la même sensibilité de souris, du coup là, tu... Ouais, mais moi j'ai dû remettre sur mes boutons de souris là, la sensibilité. Bon. Là c'est déjà mieux. Mets tout de suite ton push to talk. Ah oui, push to talk s'il vous plaît, tout le monde. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ok. Ah, push to talk. Tout de suite nous faire chier avec ça. Crolo. Voilà, premier truc qui vient dans la bouche à Carmé. Push to talk, push to talk. Mais surtout toi, assassin de clavier. J'ai pas besoin, j'ai un bon micro. Non. Ouais, j'ai pas besoin, j'ai un bon micro. On le sait. Ah, ça va, ça marche pas sur Apex, désolé. Bonsoir. Salut. 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 Crolo. Comment va? Mal et toi? Ça va, tranquille. Je viens de manger. Ça va mal depuis que t'es arrivé. Ouais, je m'en suis depuis fermé, t'es arrivé que ça va pas bien. Allez, go avancer les gens. On est ouais, début, là. On va essayer de mourir en beauté. On le réussisse, ça, allez. On fait quoi? On fait les deux derniers normaux. L'avant-dernier boss et Jaina. On clean le raid là. C'est ça. Crolo, Crolo, c'est quoi ta date d'anniversaire? Il fait la tête, Crolo, il veut plus parler. Je suis pas sûr qu'il soit arrivé ici. Crolo. Bon. Alors, qu'il y a pas de boy déjà, il me cherche des oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors ouais. les météores. Quand t'arriveras plus tard, travaille encore. S'il est pas trop mort, il viendra, sinon, bah. Malheureusement, c'est pas. C'est nous qui serons morts avant lui, je pense. Les groupes sont déjà préparés en plus. La petite image aussi, on l'a pas. Hein? On n'a pas la date de naissance de notre petite image. Ah. Exact. Comme ça tu viens sur un tout début quand on sera dans le boss, c'est très bien. On a commencé les crashs. Je suis en train de regarder si j'ai le fly. Il y a pas de fly. Oh mais le plus proche. On a un démo lui. Oh. Au pire relance, vas-y, relance la pierre. Ah, on a une moitié de démo tu veux dire. C'est ça, il est dans le groupe quoi. On verra Sacha sur les boss. Après les deux prochains trash, tu lances la pierre de TP. Ouais. Non, mais sinon je viens à pied, c'est pas. Ouais, il se démerde, bien. Hein. Il avait qu'à être là avant. Ouais. On peut pas tout faire non plus. Hein. Les autres sont toujours tort. Voilà, c'est tout. Voilà. Je dis qu'il y a une moitié de démo, mais bon, il a beau pas être stuff. Au final, il est quand même quatrième quoi sur les trash. C'est vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a que 4 qui tapent. Regardez en quoi il était le démo. T'es en quoi si tu es détruit? Destruit. Ouais, c'est Kotaro le démo. Ah, mais c'est Kotaro. Mais non, enfin, c'est. Oui, oui. Oui, c'est easy. Oui. Aïe, 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 aïe. En même temps, démo destruit, easy. Bon. En tout cas, toi le troll, tu as morflé, hein. Ah, pardon, il me parle. Qui te parle? Ah oui, là, un à la piste. Pirate des Caraïbes. Il y a Percy Jackson, l'âge de glace, Pirate des Caraïbes et Mario au premier regard. De la merde, de la merde, de la merde. Allez! Il y a deux jours, c'est trash, hein. Au revoir. Ouais, par contre, j'ai pas envie de me prendre des claques, hein, les gars. Bah, faut taper moins fort. Chacun son tour. C'est
faudra que vous, regardiez ce que c'est qui vous tue. Pour qu'on puisse le kick ou s'écarter du boss. C'est les gros bras de Kultira. Ah, c'est même pas les gardiens en fait. Non, non. Alors en fait c'est bon, là, hein. Donc les petits gardes de merde là, plaquage fracassante, dégâts physiques subis augmentés de 300%. C'est un debuff qui te met. Ouais, les gros bras là, c'est des debuffs. Ah, donc y'a rien à y faire en fait. J'ai perdu une oreille, c'était magnifique. Bah faut kiter quoi à ce moment. Oui c'est ça, mais on n'a pas de focus ou kick à faire. Bah un stun éventuellement. Quand il fait, quand il fait le cast, quand il fait le cast, on peut. Salut. Salut. Coucou. Cocu. Ah, c'était drôle ça. Ouais. Ça fait rire que les warriors, c'est normal, il y en a qu'un. Ouais, il y a du niveau, hein. Ah, ben, au niveau d'un warrior. Qu'est-ce qu'il peut, vraiment. Qui a fait un petit tour en hauteur. Attendez. BG, Red Off, voilà, c'était la fin de la soirée. Easy. Bravo à toi. Attendez, je prends mon codoliprane, j'arrive. Mais c'est nul, je vous ai connu plus en forme quand même. On revient quand les. On revient quand les trash ont repop, les gars. Pour le trash loot, c'est là comme. C'est comme ça qu'on se stuff. Ah, c'est dégueulasse putain. Groupe 1 et 3 à gauche, groupe 2 et 4 à droite. Déjà. Ouais. On sort pas de. De l'armée. Je change de bateau cette fois. Ouais, parce que du coup j'aurais mis Kota de l'autre côté. Le problème c'est qu'il est plus mono que multi. Bah je t'ai dit, tu peux me mettre à droite, hein, y'a pas de soucis. Hein. Ça va tranquille. Ouais. GG. Oh. Si jamais tu ne dis pas. Bon, on va tester. Bah du coup, toi tu restes de l'autre côté. Ah mais bon, si on peut passer sur ton moine et que tu le prends sur ton cuir, oh. Tu es sur ton. Il y a pas de bol. Il y a plus de poli que ce que j'ai. Sur ton... Il y a pas de bol quoi. Miam. Hop, il y a chaudron derrière. Allez les gars, on va tomber du boss. Il est où le chaudron? Ah ouais, il est là. J'arrive. Bon, le phase bateau, je la rappelle pas. Ensuite, quand on revient des bateaux, donc groupe 1 et 3, je parle pas des cacs, je parle des distances, 1 et 3 sur le carré, 2 et 4 sur la lune. Ok, on essaie d'être bien paqués, etc. Ça a été nerfé, donc du coup, ça, on a 3 secondes pour s'écarter des zones, donc franchement, si vous les prenez, c'est pas trop normal. Bon, certes, les dégâts ont été réduits, mais c'est pas une raison pour les prendre, d'accord. Donc faites vraiment gaffe à ça. On met bien les pièges de goudron, on met bien tout ce qu'on peut pour ralentir les ZAD. On n'oublie pas de balancer... Donc de venir nettoyer, et une fois qu'on arrive vers 3, enfin vers 5 secondes, on essaie d'aller le point possible, donc vers le cercle. C'est vraiment important, parce que plus ils sont loin du boss, mieux c'est.
Les cas que vous restez sur le boss, sauf si je vous dis de DPS, donc quand vous voyez que le boss arrive proche, quoi, enfin là d'arrive proche, et puis voilà, on BL dès qu'on revient pendant qu'il est en train de caster, on attend avant de kick au début de la P2, et puis voilà, ça devrait être bon. Allez. Mercredi, on a failli le tuer, ce soir on le tue. Voilà, voilà. Allez, tout le monde sur les bateaux. Y'a pas le pote à Torek qui s'est connecté là à Discord? Ouais, mais pour les deux derniers boss, je sais pas si on prend. Je sais pas. Yo, non, mais je me suis pas inscrit. C'était pas prévu, je suis pas juste pour écouter. De toute façon, c'est normal que tu sois pas inscrit parce que je t'avais pas mis dans les trucs non plus. Mais j'avais pas prévu de venir avec vous. D'accord. C'est juste, je suis là pour. Voilà. Va sur le site de la guilde et regarde le stream de Milia. Ouais, au pire, voilà. Ou de Kia, comme ça tu vas pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Dans Stream et Vidéo, t'as le lien du. Il a pas accès au Stream et Vidéo. Merci. Ah oui, non, tu l'as pas. Il avec nous sans être avec nous. Si, il a accès. Il ne va pas sur celui de Kia, il veut pas partager l'argent des abonnés. C'est vrai, ça. Ah, mais dans ce cas-là, il faudrait que je partage aussi. Va sur ce prêt, je suis prêt. One? Ouais, je suis prêt, j'ai juste mis ce clic. Spookies, il est de notre côté ou? Parce que je l'ai pas apporté. Spookies, il est. Oui, il est dans. De l'autre côté, je crois. Ouais, Spookies, c'est de l'autre côté, ouais. Groupe 1-3 sur le bateau de Sœur Catherine, 2-4 sur l'autre bateau. Spookies, viens sur le bateau là où il y a de l'huile. Viens avec nous. Mais va te faire foutre toi! C'est bon, t'es sur le bateau? Déjà, t'es pas en poulet, t'as pas la parole. Oui, je suis dessous. C'est bon, on est parti alors. On est concentré, on évite de trop parler, tout ça. Et puis, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. DPS, je te laisse skill un petit peu. T'en connais ta zone, non? Oui, ma zone, je la remets de temps en temps. Attention. Ah non, quel con! Ou... Non, on va aller de l'autre côté. C'est sur l'onde qui meurt. Vite. Pourquoi que c'était pas la peine? Gros cliquer sur l'onde. Allez, on se place bien sur les distances. Je suis désolé. On attend avant de kick. Hein. T'as dit la ligne, BL, BL. Non, j'ai dit carré. Et quoi, okay. Il n'hésitez pas à lâcher des dots. Attention, il va falloir soc.
Si un portail démo peut être... Là où, faites gaffe. Ouais, si tu peux mettre un portail démo pour aller vers la... C'est va, tu nettoies tout. Et au cas que tu vas derrière, loin derrière. Allez, fonce, fonce, fonce. Allez, attention, préparez-vous à contrôle les distances. Oui, les co- de colo. De Kia. Ok, je vais tester. Lâche-toi. Soc. Allez, les gars. Soc. Il y aura une nouvelle complainte, attention la houle. Et Prem, tu nettoies tout. On essaie de bien se repaquer un petit peu. Prem, vite, vite, va derrière, va derrière. Encore un. Allez, tank. Okay. C'est pour bon. Les ouais. distances. Que ça peut aussi. Hop. Cacle. Soul. Allez. Là. Soc. Soc derrière. La houle. Tempête les cacs s'il vous plaît. On essaye de stacker Yann. Au... De... Soc. Kia. C'est bon. Go. Go les distances. C'est vache, t'es mini nerf. Allez, ici, nettoie tout. Stalker. Soc derrière. Easy, recule. Million, nettoie. Allez, on appuie un peu sur la sur le boss. Si. Soc. Tu récupères quoi? Les deux ZAD. Allez, faites-moi les deux ZAD. Nier Soc. Allez, on nettoie tout ça. C'est comme les trucs. Allez. Okay. L'autre tempête, Soc. Seva, nettoie tout. Allez, l'autre ZAD, les cacs. Ralentir, easy, nettoie. Crollo, n'oublie pas d'aller sur un. Golade. Allez, c'est le dernier rad qu'on fait. Contrôle lad. On fait que celui qui est faible, hein. Le reste on DPS. Je nettoie. Ah non, je suis mort. Okay. Ici le boss. Bourrez le boss, bourrez le boss. Faites juste évite. Soc au cac, ouais. Faites gaffe au houl. On est large, hein. On est large. Il va lancer son sort, mais c'est pas grave. Allez, go bien, faites gaffe aux zones. GG les gars, c'est bon. Ah, voilà. Bah voilà. Avec la strat, c'est tranquille, hein. Ça pourrait être encore un peu mieux, plus propre, ouais. Mais GG en tout cas pour un premier try de la soirée. Le down directement, c'est bien, c'est prometteur. C'est ce qui était prévu. Princesse Talanji, l'Alliance utilise le mojo de ses prêtres contre nous. Non, ces barbares nous échappent. GG Nécro. Ouais, j'ai ma tête en botte un bonus. Tu les voudras les boîtes d'ailleurs. Ben il y a plus de poli dessus que ce que j'ai. Franchement moi je dirais pas non. Et apportez-moi la tête de Jaina Port-Vaillant à vos ordres princesse.
C'est quand même mieux pour Aoudemort. Légende de prolo pour ceux qui veulent, Gorand. Ça t'irait pas toi? Non, moi ça va pas. J'ai du 400. Du coup, tu veux expliquer Wan ou? Bah, comme tu veux. Je me demande comment il peut voir. Si tu veux, je peux me mettre. Alors. Rien de là. Je vais expliquer vite fait les quelques petits rudiments de base. En gros, le boss se déroule en 3 phases. D'accord? Une phase sur le bateau, puis deux phases dans, quand on sera, tout sera gelé. Il faut éviter tout, tout ce qui va toucher les, comment dire, les dégâts de givre. D'accord? Parce que on va arriver à un moment donné en fait, où on va stacker des dégâts. On va stacker un debuff du moins. Et une fois qu'on arrivera à 20, en fait, on va être glaçonné. On sera comme un ice block et qu'il faudra DPS pour justement comment dire, être DPS pour pouvoir recommencer à jouer normalement. C'est le même debuff qu'on prend au début là, avant le troisième boss quand ouais, voilà. Les zones de givre qui tombent. Là on prend un debuff à chaque fois, c'est exactement le même. Et au bout de 20, on est en bloc de glace, voilà. Et c'est exactement le même bloc de glace. L'avantage sur le bateau, c'est qu'il va y avoir des zones de feu. Et du coup, pour déstack le truc, ben, il suffira juste de passer dans le feu vite fait et on perdra le stack de X. Voilà. Toujours rester dans le dos de Jaina. À un moment donné, elle va se retourner, elle va viser quelqu'un. Ben, il suffit de l'esquiver, quoi. Elle va faire un gros cône de glace devant elle, quoi. On évite ça. À un moment donné, elle va se TP, je crois qu'elle va se TP et qu'elle va faire un gros anneau de givre. But du jeu, ne pas rester dedans. Si on reste dedans, on est contrôle pendant 30 secondes ou une minute. Par contre, si on est extérieur à ça, c'est 8 secondes. L'avantage, c'est que si jamais on se tient dans le feu juste au moment de l'anneau de givre, bah le gel disparaît de suite. Vas-y. Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, bon, bah, il y aura des ZADs. Les prêtres, vous pouvez les contrôler mental et les jeter du bateau. Voilà. Donc, amusez-vous bien. Ça permettra d'esquiver. Ça vire quelque chose, ce connard de ça. Ça permettra d'éviter de DPS les ZAD en fait. Tout simplement. Éviter le feu. Tout de suite avec les, Après, à un moment donné, une personne sera ciblée par un sort. J'ai plus le nom. Ça nettoiera les zones de feu. Par contre, évitez de tout nettoyer. Je vous explique pourquoi. C'est que, y a de fortes chances que. Comment dire? En avec fait, le DPS moment, qu'on a gagné. À un moment donné, de toute façon, elle fait une orbe de glace. Il faut qu'on se mette tous dans le feu si on ne veut pas être gelé. Donc, s'il n'y a plus de feu, on est tous gelés. C'est l'anneau. L'anneau de givre, voilà. Et le sort, là, c'est avalanche et il cible plusieurs personnes. Voilà, avalanche, évitez de nettoyer toutes les zones de feu dans le sens où, vu le DPS qu'on a, il y a de fortes chances qu'elle nous le fasse, ou même le timer, je sais pas. On risque de plus avoir de zones de feu en fait au moment où il y aura l'anneau de givre. Ça serait quand même con. Par contre, je sais pas si du coup les prêtres peuvent mass dispel. Je sais pas si on peut lancer les sorts en fait quand on est givré. Oui, si c'est le cas à ce moment-là, bah, Shadow, bah, tu prends toujours nous mass dispel. Moi aussi je peux. Et ça arrive. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir des bateaux qui vont arriver sur les côtés. Et c'est à ça que servent les balistes sur les côtés. C'est qu'il faudra cliquer sur les balistes pour défoncer les bateaux. Mais pas tout de suite, sinon on n'a pas les zones de feu. Mais pas de suite apparemment, mais par contre je sais pas du tout pourquoi il faut pas. Enfin, j'ai pas suivi, apparemment il faut avoir des zones de feu. Si on clique tout de suite dessus, on n'aura jamais les zones de feu. Il faut attendre quelques secondes le temps que les zones se placent et ensuite on tire. Ah oui, parce que les bateaux qui lancent les feux. Ouais, voilà. Et faites attention de pas foutre du feu sur les balises, ça les met hors d'état d'usage. Voilà, c'est ça. Sinon il faut passer dessus avec le debuff qui enlève le feu, etc. Ensuite, dernière chose à savoir sur la P1, c'est qu'il va y avoir des barils. D'accord, il va y avoir des barils comme sur le troisième boss de Tol'Dagor. On prend ces barils, on marche à l'extérieur du bateau, enfin on les jette à l'extérieur du bateau tout simplement. Ok. Intermission. À 60%, Jaina va faire une petite cinématique, tout ça, elle va se taper à un endroit. Nous, but du jeu, ça va être de sauter du bateau, d'aller la rejoindre en évitant toutes les tornades qu'il y aura sur la route. En normal, c'est très simple, il n'y a rien de. Il y a rien de spécial à savoir, c'est tout droit jusqu'à Jaina. Et dès que le premier est arrivé, par exemple, donc Spookies, hein, du coup avec ton sprint et tout, tu la kicks et on passe en P2. Comme ça, on sera plus en brouillard et compagnie, on reverra les zones tranquillement. Et puis voilà. En P2,
La seule chose importante à savoir, c'est les gens qui vont être ciblés par bordée. C'est en gros, vous allez avoir un gros cercle autour de vous. But du jeu, c'est d'aller casser un tonneau qui sera à côté de nous pour que justement il perde le debuff qu'il a sur lui, qui fait que les dégâts sont réduits de 99%. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Tout simplement parce qu'après, une fois qu'on aura explosé ce debuff, il faudra casser le tonneau pour justement avoir du feu pour pouvoir perdre les stacks de givre, parce que dans cette phase, c'est le seul moyen de les perdre. Tout simplement. Après, il suffit d'éviter tous les dégâts de givre, quoi, toutes les AO, etc. Enfin, je vais pas vous faire un topo de tous les sorts, quoi. Voilà pour la phase 2. À 40% ou 30%, je sais pas, parce que ça a changé, du coup, je pense que c'est plus 30% si ça se passe comme le mythique. Enfin, c'est entre 30 et 40%. Elle va se TP au centre de la salle. Donc là, quand ça va se rapprocher des 40%, les tanks, n'hésitez pas. J'essaierai de mettre un symbole et on essaye de voir la zone de la salle. Pour trouver le mur, il y a un mur qu'il faudra qu'on casse. Parce que justement, elle va se TP donc. Et elle va faire un gros cercle de givre qui va augmenter en taille. Et si jamais on se fait toucher, on est instantanément gelé. Voilà. Tout simplement, but du jeu par contre, c'est d'aller casser ce mur. Pour justement éviter son cercle et d'aller défoncer le Nathanos qui est Ice Block. Une fois qu'on a cassé l'ice block, en fait, le cercle ne se propage plus. Par contre, les tanks, à ce moment-là, vous aurez un LM d'eau de givre à garder. Et à ce moment-là, on claque la BL, en fait, entre le mur et l'AD de givre. On défonce l'AD le plus vite possible. En évitant quand il arrive à 100% d'énergie, on s'écarte de lui parce qu'il va lancer une Nova, et puis c'est tout. Ensuite, on revient dans la salle, on kick Jaina, boum, P3 commence. Et la P3 est identique à la P2, à deux choses près, c'est qu'il n'y aura plus de feu pour s'enlever les stacks, d'accord. Et elle invoquera des copies d'elle. Les copies d'elle feront les mêmes sorts qu'elle. Donc voilà. Si jamais on va faire un try, et si jamais on a largement le temps de DPS l'ice block, etc., c'est qu'on peut s'amuser à BL en P3. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on va BL, pendant 20 secondes, Jaina se ice block. C'est pour ça qu'on le fait pas sur elle. Et dans ce cas-là, les images ne feront plus rien. Donc quand il y aura une image, on pourra faire BL. Mais Jaina ne fait plus rien, les images font plus rien, on défonce l'image et après on repart sur Jaina. Voilà. Sur la P3, il faudra qu'on gère les différents stacks des blocs de givre pour éviter qu'on soit tous ensemble givrés, tout simplement. Voilà. Oh, pardon, j'arrive. Et du coup, à n'importe quel moment, si vous voyez un copain qui est bloc de glace, bah c'est focus. C'est ça. C'est focus le bloc. Voilà. Sauf si il se bloque au moment où elle TP pour la transition P2 vers le mur. Sinon, vous allez être coincé dans le givre. Voilà. Allez. Je fais un appel. Tu m'envoyais où? Ah, non, j'avais pas vu qu'il y avait. Et du coup, ouais, c'est ça. Bah, je l'ai sur moi. Tous les spells de Jaina sont esquivables. Donc, vous voyez, elle en a toute une flopée, on va pas forcément tous lui dire, c'est mais ça. Tous les spells qu'elle balance, c'est des skill shots en fait. C'est pas ciblé sur. C'est ça, dans tous les cas. Tout évite. Dans tous les cas, ouais, c'est tout évité. L'avantage en plus en tuant Jaina, c'est que. On aura des loots. Tous les loots de Jaina ont un effet passif qui est assez intéressant. C'est que ça sera plus simple de la tuer les prochaines fois, à chaque fois. Dans le sens où la plupart en tout cas ont atténué l'effet des vents hurlants, quoi. J'ai cru voir ça. C'est cool ça. Après, je sais pas si c'est que pour les mains gauches des heals, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent l'avoir ça. On en a aussi pour des casters. Ouais, on l'a. C'est plutôt intéressant. Du coup, Necro, tu me dis? Non, c'est bon, je suis là. Ok, bah, je vais lancer au capitaine. Que ça, c'est surtout pour quand t'as l'ensemble des bagues. Non. C'est pas besoin des bagues pour ça. C'est une main gauche, c'est à part encore ça. Allez, on est parti. C'est parti. Okay. Restez à distance du vôtre. Allez, good luck, hein. Ouais, bonne merde, les gars. Ouais, j'ai pas tout compris, mais ça va aller. On va lui défoncer le trou du cul, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. De toute façon, il faut attendre, là on a balancé au capitaine, du coup on va commencer à voyager sur la flotte. Capitaine abandonné. Revenez derrière, après je sais pas ce qui va se passer du coup. Et tous les ads, je peux les contrôle mental là? Elle est pas sensible. Non, mais celle-là non.
crois qu'elle apparaît sur notre position. On est... Ouais, ouais, c'est ça. On apparaît au niveau de Talon. Ouais, ouais, c'est pour ça, revenez derrière plutôt. Il avance pas à l'envers le bateau là? Non, non, non. Venez c'est en. Pas grave, c'est fille. C'est pas grave. Oh, avec la super monture. Ils ont osé. Ils ont osé. Ah, la plaque d'égout, quoi. Oh là là. Et bon, SP2 est moche, mais en SP3, c'est encore pire cette monture. L'échec, c'est une tradition familiale. Si vous me connaissez si bien, capitaine, vous savez que vous auriez dû fuir tant que vous le pouviez. Vous allez payer pour vos crimes. À l'attaque! On la viole. Allez, tout le monde était prêt, j'ai lancé un pool. Du coup, les prêtres, hein, direct contrôle mental. Décidez-vous. Je prends celui de droite. Allez, on est parti. Et. Attends, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. 4, 3, 2, 1. Pour l'Alliance! C'est quoi de jeter allez, la porte? Bon. La flotte, mon. Et voilà, ça c'est fait. Ça c'est juste royal par contre. Ouais, piquez pas sur les balistes, hein. Attendez qu'il y ait des feux un peu. Tu vois, voilà ça par exemple. Vous voyez les zones au bout là-bas? C'est ce qui nettoie les feux. Attention. On esquive, on reste pas devant la. Vous voyez, il y a un gros cercle, on reste pas devant le cercle quoi. Elle est un peu cheatée là-haut donc faut pas se mettre trop sur le côté, hein. Allez, des nouveaux ZAD, je crois. Non, du feu d'abord. Ah, là il y a le feu. Allez, on nettoie pas. Il peut tirer sur les bateaux. Allez, les soldats, essayez. Go tirer sur les bateaux. Ces ZAD là aussi peuvent être TM, hein. Jetez ces bateaux. Attention. Laissez-en juste une de zone à distance. Et qu'elle fait son anneau. Anneau de givre, attention, anneau. Dans le feu, dans le feu. Go dans le feu. C'est quand il y a l'anneau, je sais pas comment ça se passe. Après l'autre anneau, celui qu'elle fait sur le sol. Voilà, avec vous mettre sur le feu. Les feux, les feux, les feux. Ah, c'est un peu trop en fait, voilà. Et reculez vite. Voilà. Là on nettoie. Allez, nettoyez ceux qui ont les debuffs là. Surtout sur les balises. Ouais, sur les balises, ce serait bien. Ouais, surtout les balises si elles sont en feu, ouais. Ah, il faut se mettre dans le feu à un moment, parce que là on était trop... On a trop... Ceux qui ont des debuffs de trucs de givre, n'hésitez pas à passer dans le feu. Attention. Voilà, y a que ça à gérer, vous voyez, c'est simple. Allez, des nouveaux feux. Les bateaux. Go les bateaux. Les Z, ACR. J'ai 12 points de glace. Le baril, putain, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu aussi. Raté. Go dans le feu. Vite, le baril, il faudrait le jeter. Attention. Voilà, je l'ai pas vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Tu te l'es mangé. Allez, 7%. Et un bateau. Oui, en P1, il n'y a pas de dégâts. Côté gauche, bateau. Attention. C'est comment les pics de glace, Frollo? Attention. Des flags, attention, les ZAD. N'hésitez pas à passer dans le feu, vite fait. Allez, phase 1. Allez, on essaie de se placer. Venez là où je suis, dans le cercle vert. On va se la faire, hein. Ouais. Et là, on saute, hein. Allez, et on va le plus vite possible vers elle. Faites attention aux ânes, hein. Faites attention à tout ce qui traîne, il y a plein de trucs différents. Faites vraiment gaffe. On va aller vers le centre et de la trouver. On essaie d'esquiver bien les tornades et tout. Faut dépêcher One. Ah, trop tard. Ah, je suis glacé aussi, Jinam. Je l'ai. Et go la kick. Va passer.
Parfait, et il faut aller faire le deuxième bloc, parfait, nickel. Il y a Chroma aussi à faire, parfait. Allez, bordez, allez. Faut que vous écartez-vous ce qu'ils ont. Nouveau bloc de glace. Je vais mourir. Allez, les blocs de glace. Il faut défoncer donc les bordés en fait, les prochains. Vous voyez, il y a des mains là. Attention. On va tous être gelés, hein. Non. Je suis bordé, écartez-vous de moi, écartez-vous de Ginom. Et go défoncer les munitions quand le sort a explosé. Faut pas plus glace en tank, hein. Go sur le crâne là. Vous avez. Là, on s'en fout de Jaina. Le but du jeu, c'est de donner. Coupé. Ouais, t'inquiète. Il y a des munitions à défoncer ici là. Faut défoncer les munitions. Hein. Une seule, hein, pas toutes. Hein. Oui, mais bon. Les gars, c'est les munitions là, prio. Voilà, placé dans le feu. Faites juste gaffe à l'explosion. D'accord. Voilà, vous restez jusqu'au bout. Pour le bloc de glace derrière. Sortez on de évite. Voilà. Et les blocs de glace. Voilà. En fait, donc vous voyez, il y a plusieurs munitions. Donc les bordés là, par exemple, One, Sefi, Spookies. Vous allez sur la même, hein, on va se dire un peu lesquels on va faire, d'accord. Et après, il faut défoncer les munitions pour avoir la zone par terre. J'essaie de trouver le mur pour qu'on doit défoncer après. Il est au fond. Il est là où je suis. Là où tu vas. C'est tout en face de nous, là. C'est celui où je suis, ok. C'est celui qui est derrière toi. Non, mais je vais mettre un symbole pour s'il reste. On va... Go rester dans les munitions, hein. Go vous geler, les gars. On va refaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est dégueulasse pour un premier train. Non. On doit faire quoi avec les bordés? Alors, bordés justement... On doit se paquer. Non. Non, non. En fait, il n'y a qu'une seule personne à chaque fois qui devra se mettre sur une munition intacte. D'accord? Mais il faudra attendre. Faudra pas tous... faudra pas les exploser à chaque fois. Je réexplique le principe des bordés. Les bordés permettent de... Comment dire? D'enlever le debuff que les munitions intactes ont. Qui est de réduire de 89% les dégâts reçus. Parce que justement, les munitions, quand on va les exploser, en fait, ça fera un gros cercle de feu pour justement enlever les stacks de givre que nous avons sur la tête. Simplement pour éviter d'être congelé. Voilà, voilà. Et du coup, bah, vous doutez bien, j'imagine, mais toutes les zones un peu plus glacées que la mer déjà glacée qu'elle laisse au sol avec ses sorts, il faut éviter de rentrer dedans au maximum. C'est ça. Vous évitez tout ce qui est givre, bien sûr. Et enfin, dernière chose, vous pouvez rester dans le feu jusqu'à la fin. Donc vous regardez juste le décompte de la bombe, quoi. Vous faites juste gaffe à ça. Et une fois que vous avez fait gaffe que ça arrive à la fin, vous sortez, mais pas avant, quoi. Voilà, voilà. Sur le chemin, les personnes qui ont été... Du coup, quand j'ai la houe autour de moi, enfin, je flèche rouge, ma gueule. Tu te casses. Tu t'écartes de tout. Mais le monde en fait. Monde, okay. Voilà. De toute façon, on va faire la première bordée pour défoncer le premier truc. Les premières munitions. Après, les prochaines bordées, on casse pas. Et on cassera après à la prochaine. Par contre, là, je pense qu'on est trop. On a pris trop de fois les blocs de glace. Et on en a pris beaucoup trop en fait pour le combat. Voilà, voilà. Allez, un appel. Moi, j'ai juste une petite question aussi. Au niveau de quand il y a l'anneau de givre là, on doit aller dans le feu. Oui. Le feu, on est obligé de rester dedans ou faut juste passer juste une seule fois et se casser? Bah en fait, l'anneau de givre, le tu truc c'est. Tu restes dedans. Non, tu restes dedans. Parce que si tu restes pas dedans, tu vas être gelé en fait à côté. Mais il faut pas y aller tout de suite non plus, faut vraiment y aller au bon. Ouais, moment. Ça met pas ouais. Un debuff pendant tant de temps, ça t'immunise. Non, il faut que tu sois. T'as un debuff en fait, t'as un debuff pendant 8 secondes de feu autour de toi, un peu comme le truc de la consécration. Il y a un debuff? Ouais, sûr. Parce que j'ai cru que dans le feu je prends très cher moi. Ah oui, il faut y bah aller. Bah c'est ça, c'est pour ça que je me demande si vraiment on doit rester dedans. Si, non, si en fait, vraiment... il faut y aller en juste fait, tu au bon moment. Une première fois de... En fait, tu passes une première fois dedans, étant donné que tu vas avoir des stacks de givre qui vont te faire voilà. Beaucoup plus de dégâts.
Genre là, à plusieurs reprises, j'étais à 10 ou en stack. Tu passes une fois dedans, comme ça, ça te débuff et le feu va te faire beaucoup moins de dégâts. Tu passes juste dedans, tu ressors et c'est bon, tu perds des PS. D'accord, okay. Parce que du coup, je savais pas qu'il y avait un timer, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un debuff de plus de feu. Ok, et ben Shadow, tu me dis, c'est bon? Ouais, c'est bon, bah c'était juste pour ça. Faut pas rentrer dans le feu, ressortir. Feu en P2. Faut rester, mais en P2, c'était la bombe en fait. Et tu sais, elle charge un peu comme les bombes qu'il y a sur Boralus, le premier boss. Et une fois qu'elle arrive au max, c'est là où faut en sortir. Mais au début, tu déstacks en allant dedans. C'est une AOE où en fait, t'as une grosse AOE au tour 2 qui représente la zone d'explosion quand elle va exploser. Ah, t'as glaçon avant, du coup, tu. Ok. Allez, on est parti. Donc, pareil, les CM. 5, 4, 3, 2, 1. On l'a fait un easy. Et on fait gaffe sur la transition entre le bateau et la P2, hein. Éviter d'être gelé, tout ça. Attendez avant de couler le bateau, sinon s'il n'y en a pas de feu, ça va pas le faire. Attends, il y a du feu, go. Ouais, oui. Charge placée. Les ADCM. N'oubliez pas les barils. Il y a un aide qui se balade, si un prêtre peut être dessus. Ouais. C'est moi, pardon. Ceux qui ont les debuffs, ils peuvent aller sur. Il y a deux balises. Deux balises à nettoyer. Ceux qui ont les debuffs. Et préparez-vous pour l'anneau de glace. Et l'anneau. Et go les blocs de glace. C'est pas normal qu'il y ait des blocs de glace, les gars, c'est que vous passez pas dans les feux. Normalement, il faut faire gaffe à votre debuff là. Se balade. Et go remettre Jaina comme il faut, s'il vous plaît. Faites vraiment gaffe à vos debuffs, les gars. Allez, les ZAD. Bateau à gauche. Tu pourras mettre un portail de mots, s'il te plaît. Il y est. Attention. Les requins vont se faire un plaisir. Allez. Attention. Fais gaffe à la déflag. Nettoyez un peu le cac là-bas, si vous pouvez, si vous avez le débat. À notre givre, à notre givre, tiens. Trois. Allez, hop. Voilà. Et nettoyer au cac. Faites gaffe de pas passer dans les amis quand même. Et go le bateau à droite. Les ZAD. Charge placée. Attention. Faites juste gaffe aux tonneaux s'il y en a un, pour bien les sortir. Et go vous perdre les debuffs les gars, il reste un ad. Attention. Ouais, j'arrive pas à le faire voler. Prochain anneau. N'hésitez pas à passer même si vous avez que deux debuffs. Et go tout le monde passer dans le feu, c'est la transition. Je peux pas, je suis bloqué. Des navires de la horde, vous êtes fécondés. Allez, on évite de prendre des trucs, hein. Ok, allez. Le navire reste, c'est cool. Ok, elle est tout droit. C'est impossible. Faites je gaffe au. Que vous m'ayez suivi si loin de la rive. Vous n'avez plus aucune chance de vous échapper. Esquivez tout bien. Il faudra faire crawlo derrière et c'est va. Elle est face à moi.
temps d'en finir. Ok. Tout nettoyer, tous les blocs de glace. Attention. Sur ma gueule, il a fallu que je me le fasse, hein. Non, mais... Allez. Ça va pas là, hein. Les blocs. Pour finir les blocs. Allez, vous voyez les munitions à côté de Jaina, vous allez là avec la bordée. Sur le crâne, du coup. Attention. Avec les bordées. Putain. Allez, healer Necro ou Prem Feia sur le crâne, s'il vous plaît. Écartez-vous de Jaina par contre. De Jaina, écartez-la. Ah, raté. Ok, c'est bon, il y en a une de munitions. Il y en a une de prête, ouais. Du coup, défoncez la munition. Vite, hein. Il faut vraiment qu'on esquive mieux la transition là, les gars. Restez dans le feu jusqu'au bout, hein, pour les debuffs, et après vous sortez. Sortez maintenant. Allez, nouvelle bordée, allez. Attention. Pour l'instant, laissez les deux. Pas la peine de casser les munitions, hein. Juste vous enlevez le debuff. Mais voilà. Allez, go wipe, go passer dans le givre, tout le monde, go vous glacer. On refait. Donc là, tout ce qu'il faut, c'est vraiment gérer la transition. Hein. C'est vraiment le problème. Il faut que tout le monde soit en vie et qu'on ne prenne pas des trucs. Hein. Je vais vous geler sur place. Les vagues vous engloutiront. J'ai beaucoup moins parlé maintenant. Vous avez compris comment ça marche. Nous, à chaque fois qu'on écarte Jaina du... Bah, en fait, le truc c'est que les gens vont exploser sur les munitions, d'accord? Pour justement enlever le debuff. Donc faut pas que tu sois à ce moment-là, parce que sinon tu vas prendre des gros dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà. Mais par contre, une fois que ça a explosé, tu peux remettre Jaina à côté de la munition, y a pas de soucis. Apparemment, c'est va trouver un truc pour vous, les pales. Ça enlève le bloc de glace, du coup? Non, juste qu'on immobilise. D'accord. Ouais, tout ce qui purge vos contrôles, moi, genre la désengage, ça fonctionne pour me virer les routes de glace là. Donc, si vous avez des classes qui font ça, n'hésitez pas à aller. Par contre, attention, quand on est sur le bateau, vous avez pas de debuff quand il y a l'anneau de givre. Et vous n'avez pas le debuff quand vous passez dans le feu. Pour rester dans le feu à la fin. C'est uniquement quand on est sur le... Uniquement quand on est en P2, là, qu'on a un debuff de 8 secondes. Oui, quand elle fait son anneau sur le bateau, il faut vraiment à la dernière seconde rentrer dans le feu. Si vous y allez avant, bah, ça fait mal, c'est normal. Il faut vraiment regarder tout Jaina, et quand elle arrive vraiment sur la fin, vous mettez le cul dans le feu. Voilà, vous grillez un petit peu, c'est pas grave. Allez, maintenant on gère la transi, et une fois qu'on aura géré la transi, qu'on aura bien mis les bombes et tout va bien se passer. Après, ça sera exactement la même chose jusqu'à la fin, jusqu'en P3. Sauf que en P3, les bordées, ça sera dans le vent, dans le sens où il n'y aura plus de munitions, tout simplement. Voilà. Et qu'il faudra être plus ou moins paqué pour justement avoir les blocs de glace assez proches, pour justement que tout le monde puisse les DPS, tout simplement. Allez. Il n'y a quasiment pas de dégâts en P1. Non, en P1, il n'y a pas de dégâts. On est parti. 5, 4, 3, 2, 1. La marée monte. Et attendez avant de cliquer sur les balises, c'est que vraiment il y ait les feux d'abord sur le bateau. Le bateau. Go les balistes. Il y a des aides qui se baladent. C'est bon, je le prends. J'ai 12 stacks. N'hésitez pas à passer avec le...
Avec le truc qui nettoie le feu sur les balises, s'il vous plaît. Allez, l'anneau, attention. Ok. Faudra faire gaffe à Kia. Éco-nettoyer le bloc. Écoulo, la deuxième. Allez, super. Les balistes. Leur pont est prêt pour le feu d'artifice. Joli tir. L'eau est en train de sombrer. Préparez-vous à l'anneau. Que vous supportez bien le froid. Vaisseau ennemi. N'hésitez pas les cacs à repasser dans le feu si jamais. Vaisseau à droite. Elle va passer bientôt. Ouais. Faites gaffe, c'est des tonneaux, regardez, vérifiez au cas où. Allez, l'anneau de givre. Les mandos passent dans le feu, ça va passer un peu d'eux. Allez, on fait gaffe, on esquive bientôt. C'est impossible. Je suis ravi que vous m'ayez suivi si loin de la rive. Vous n'avez plus aucune chance de vous échapper. Et attention, faites vraiment gaffe. Arrête, Crollo. Faites le bloc de glace, hein. Go la kick le plus vite possible, hein. Elle est en face. Mais... Comme vous le voyez, c'est le... Ah. Allez, go délibérer Crollo, parfait. Je reste FI. Après. Je nettoie une... Regardez, on en casse qu'une, hein. Stop. Cassez que le crâne. Touchez pas l'autre. Allez, on DFS et Jaina, on évite les AOE. C'est dans le feu. Attention, et écartez-vous. Ok, on continue les Jaina. À toutes les armes, tirez. Merde. Allez, go la munition là. Qui est déjà libérée. Le crâne. T'as combien de stacks? Allez. Go la nettoyer, go passer dans le feu. On pourra penser à l'amener vers le triangle vert à la fin, hein, vers 40%. Allez, on vient derrière là s'il vous plaît, sur le crâne qui va arriver. Un bloc de glace à libérer. Attention. Ouais. Go casser la munition. Et après on ira sur le dernier là-bas. Les bordés, vous allez défoncer le dernier truc qu'il y aura là-bas. Faut que Shadow rentre dedans, hein. Shadow passe dans le... Parfait, t'es passé. T'es bloqué. Allez, faites gaffe à la bombe. C'est bon, je casse la munition. Ah. C'est bon. Écho, défoncez les munitions. Ah non, ça a pas pété. Si, c'est bon.
Ouais, c'est bon. Et passez de l'autre côté. Après. Ouais, c'est bon. Ça sera les dernières, du coup, faut envoyer. Allez. Allez, on envoie sur Jaina. J'ai peut-être le... On a peut-être fait trop tôt les munitions et tout. Les gaffe, on esquive. N'hésitez pas à... Allez, on esquive le con. Bon, juste on s'écarte des gens. Allez, passe, passe. On commence à se mettre à la porte. Mettez-vous vers le triangle, les gars. Tiens. Le bloc de glace. Je vais me mettre en glaçon exprès. Il faudra me libérer Jinam. Quoi? Ah mais là on pourra plus là. Allez, go le glaçon sur Jinam. Sur Jinam. Attention, faites gaffe, gardez-vous. Et comme défoncer. Allez, go passer Jaina. Go faire le bloc de glace. Je suis glacé. T'inquiète, t'inquiète. Vite les deux tanks. Attention. BL, non? BL, non, 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 j'en ai. Spookies, le bloc de glace. Donc il y a encore 5% à faire. Je suis à 15 moi. Bah, et go dans le glace, bon, go dans le glace. Go dans la glace. Là, c'est vous... Il va falloir libérer du Million. Ah non, je peux pas. Il va falloir que tu reprennes une. Elle va allez. Approcher. Si je reste dans la glace, le temps de partir. 2%. C'est bon. Allez, 1%. Elle va TP. Préparez. Allez, go congeler easy. Décongeler. Et le mur. Et défoncer le mur en même temps. BL. Oh, je suis congelé. Go nécro. BL, BL, BL. Claquez tout. Faut le mur. Vite. Le mur. Vite, 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 le mur. Allez, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Vite. Ah. Au revoir, les gars. Non, dépêchez-vous de libérer Nathanos et ouais. Nous, on pourrait venir nous libérer après. Vite, vite, vite. Nathanos, hein. Go, Nathanos. Vite. Il a combien, Nathanos? Allez. Maintenant on va libérer les gens, les amis. Ah non. On va libérer tout le monde. Voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est mort. Ah non, vous arrivez vous. Ok. Il faut sauter, ouais. Allez, go nous libérer et go défoncer l'AD. À 100 d'énergie, il faut s'écarter de l'AD. Je comprends pourquoi je disais qu'il fallait libérer Nathanos maintenant. On peut pas replacer correctement l'AD vers Jaina. On peut le ramener vers Jaina. Ouais, mais sans kick Jaina, il faut pas kick Jaina. Gasson soon. Mais pas dans la zone. Donc juste vous écartez bien les gens qui ont les DL. Go le glaçon. Allez. Allez, on ramène l'AD vers Jaina. Attention, il est bientôt. Faites gaffe, il a son énergie, il va claquer son truc. Incantation de Wadjir, écartez-vous de l'AD. C'est bon, ça. Et allez, go kick Jaina. Venez pas sur Jinam. Allez, congelé sur Krollo, il faut faire le bloc de vous. Bordé, écartez-vous bien. Soyez un peu paquet quand même, les gars. L'image, on l'image. En fait. L'image, go focus l'image. Focus image. Et dès qu'il y a un débloque, il faut les faire. Prime Feya et Spookies. Allez. Pour qu'on essaye d'être plus ou moins paquet, mais pas trop. Allez. Go le bloc. Allez, les deux blocs. Vite, les deux tanks, hein, vite. Les deux tanks. Attention. S'il y a un peu à queue pour reprendre le bus éventuellement. C'est bon, c'est bon. La marée est contre vous. Allez, go les blocs. Attention.
vais devenir gelé moi bientôt. Une image. Nico, une image. Vite là. Je vais te... Crollo, à déverrouiller. Ok, la grosse sur Prime Fire, fais gaffe. Tenez Prime. Okay. Allez. Dégel, dégel. Je vais venir au cac avec vous les gars, je suis à 17. Je suis à 19 hein. Mets-toi au cac alors. Ouais, tu crois que je suis où? Je suis toujours pas gelé hein. Je tiens. Mais merde, j'ai la. Il y a un écrou au loin. Ah. On focus le. Miyane et Jinam. Je vais mourir. Aïe, aïe, non. Ah. Gaffe à Jinam, il va exploser. Ah. Voilà. C'est le temps que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Hein. Question, voilà. On est gelé à combien de stacks? 20. Le 20 ou le 21ème 20 et moins de 80% PV. Ouais, voilà. Là, il n'y a plus de feu là aussi. Là. Non, il n'y a plus de feu là. D'accord. Non, à la fin, il faut libérer les copains. Ok, j'ai un truc à suggérer pour les tanks. Ouais. Enfin. Quand par exemple Crollo est glaçon, et que moi, peu de temps après, je suis glaçon. Ce qu'il faudrait faire, c'est que Crollo, on le libère. Et par contre, quand Crollo, il monte genre à 15 stacks. Là, on me libère moi. Comme ça, moi je suis à 0 stack et on a le temps de dépop en fait le glaçon de Crollo. Je sais pas si. Ouais, mais le problème c'est que tu prends des dégâts pendant le glaçon. Mais normalement, ce qu'il faut faire en fait, c'est que celui qui tank pas la boss, tu peux monter plus vite en stack. Comment dire, en marchant sur le givre, d'accord? Pour justement gérer l'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En gros, sur ce boss, t'as le droit de slack de temps en temps. De temps en temps pour justement séparer les timers en fait. Pour pas avoir les deux en même temps. Voilà, donc vous avez vu le boss en entier. Moi, j'aurais une ouais, par contre, gardez vraiment vos CD pour le mur, c'est vraiment important. Donc on va claquer la BL pour le mur, c'est clair et net. On va essayer de moins défoncer les mines. Je vais essayer de garder une pour le juste avant le mur en fait. Pour la fin, ouais, ce serait bien. Voilà, comme ça on évite d'être gelé avant le mur. Et puis voilà. Moi j'aurais une question pour la dernière phase. Ouais. Est-ce que le boss, on peut le paquer sur la sur l'image? Je pense que oui. Okay. Oui, bah, ça ne pose aucun problème. Faut juste faire gaffe parce que l'image va lancer un sort dans un sens et le boss dans un autre peut-être. Donc faut juste faire gaffe à ça. Faire gaffe dans le sens où ils vont, parce qu'honnêtement, voilà. Moi je suis peut-être pas le seul, mais faire du oui. Personnellement ça me va. Hein. Oui, non, bien sûr. Parce que tous mes dégâts, ça me. Voilà, du coup vous avez vu le boss en entier. Et d'un coup, t'as compris pourquoi. Donc c'est à 30%. Il fallait libérer Nathanos. Oui, non, mais je sais bien, mais je savais pas qu'il enlevait les congelés. Ah, si, si, en fait, il nous libère, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas grave si on était congelé. Fallait pas chercher. Allez. À nous libérer. 5, 4, 3, 2, 1. Donc on fait gaffe de pas être glaçon sur le bateau quand même, avec le feu qu'il va y avoir, c'est large. Les cacs, quand il y a du feu à côté de vous, vous pouvez vous mettre dedans. Au lieu de sortir de la grosse AOE de Jana. Non, non, enfin si, vaut mieux, je crois que c'est pas la même chose. Des attaques de dégâts quand on se... Je l'ai fait parce que j'ai le bouclier du paladin. Go le tonneau à côté de vous là les gars. Nécro, un DPS. Ah bah non, je suis passé dedans.
vampire de Kul Tiras à Tribord. Attention. On est que ça remette un peu de feu quand même. Avant de tirer, attendez que le bateau soit devant. Hein. Attention. Merci. Une nouvelle bombe. Toutes ces filles à libérer. Attention. La P1 ne sert vraiment à rien en heal. C'est sûr que quand on voit ce que tu fais. Moi j'ai DPS. Au final, on est large en mana jusqu'à la P3. Ah, mais moi je suis large jusqu'au bout. Avec toute la poulie que j'ai. Donc là faites gaffe, hein. Donc vous regardez où c'est qu'il y a le plus de... Crollo ne saute pas. Que vous m'ayez suivi si loin de la rive. Vous n'avez plus aucune chance de vous échapper. Moi je suis ralenti comme ça. Elle est face à moi. N'avance pas, attention. Oh putain mais... J'ai un bug, merci Blizzard. Temps d'en finir. Allez, les gars, libérez tout le monde, les gars. Attention. La marée est contre vous. Je vais vous. Allez, libérez tous les blocs. Venez faire sur lune s'il vous plaît. Après. Et venez nettoyer la lune là. Oh putain. Après on ira vers la croix. Mais pas tout de suite la croix. Go sur Nécro, le bloc là. Faut libérer Nécro les gars. On attend pour la croix. On est large. Faut attendre d'être à 8 ou 9 au moins. Ça sert à rien de le casser maintenant. Même à 12 on peut. Et regardez, vous avez vu la flèche là à côté de la croix? Faites gaffe. C'est là où il va y avoir un sort qui va apparaître. J'espère que vous supportez bien le froid. Et... Go nettoyer les. Go libérer les mines, les gars, pour l'instant. Je suis sur la croix. Allez, maintenant on défonce la croix. Mais la croix était déjà libérée, je crois, non? Ouais, go la croix. Enfin, le bloc de glace et go la croix. Les blocs de glace. Et go les blocs de glace, un sur Crollo aussi, sur la. Et sur Kia. Allez. Passez dans la. Je vais te libérer. Allez, passez tous dedans. Sortez tous. Bravo. Ouais, j'étais en train de raise. Mais il faut du DPS, venez. On attend. Hein. Vas-y. Kota. Ils devraient sortir de là où ils sont. Si on fait gaffe. Ok, quand elle passe à 40%, on défonce celle qui a pas de symbole là, du coup. À côté de nous.
À 40%, pas avant. Donc le crâne. Allez, maintenant, le crâne. Il faut rester dedans les gars, n'ayez pas peur. Regardez, ah, elle est pas... Allez, écartez-vous les bordées, attention, écartez-vous de la zone de feu. Ouh. On ne touche pas l'autre par contre, on touche pas la mine. On la touche qu'à 33%. Enfin, 32%. Écartez le Jailer. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Go, 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 vous pouvez la faire. Allez. Tout le monde dans le feu, s'il vous plaît. Sauf ceux qui ont les bordés, bien sûr, vous écartez bien. Elle va TP. PL. Dépêche le mur. Le mur, le mur, le mur, les gars. Allez, allez, allez. Et on libère Nathanos, allez. On est très bien là. On libère Nathanos. Et après on, bon, enfin, façon, on burst les deux hein, bien sûr. Nathanos en prio. Avec pôle élémentaire. Pour la tuer. On fait gaffe de pas être trop proche de Necro. 100%. C'est vous du, de l'AD. Mass dispel si possible. Allez. Les tanks, essayez de vous séparer les stacks là. Celui qui tank pas, qui ouais, gros slack. Hein. Celui qui tankera pas Jaina, il faudra slack. Allez, go sur Jaina, kick là. Allez, kick. Allez. Go être plus ou moins paquet, hein, les gars. Ah oh, y'a Kot, oh putain. Celui qui du coup celui qui a pas la boss essaye de se faire givrer vite fait là le tank. L'image. Ah mais y'a pas de dégâts. Go l'image. Allez, go sur l'image. Essaye de ramener la boss sur l'image. Go le bloc de glace. T'as combien de stack avec Rollo là? 0. Il a eu le bloc. Okay, non, il a 5, il a 5 là. Allez, go la boss tranquille. Ceux qui ont des trop de stacks là vers les 18, go slack hein. Allez. Go les glaçons. Ouais, enfin, go slack, faites gaffe quoi. Et les bordés, écartez-vous. Allez, go libérer les glaçons. Ouais, mais j'essaye hein. L'image. Hugo, l'image, ramène-la sur l'image. Bloc de glace. C'est bon, ça monte quand même. Allez, libérez-moi. Ok, je suis bloc. Vite. Vite, je vais mourir. Ah non. Ouf, merci. Bloc de glace derrière. Après. La dernière image qu'on fait. Après, on focus Jaina. Les tanks, hein, sont... Les tanks, ouais. Méta binaire. On focus Jaina. Je suis là, son shadow. Go le bloc. Faut être paquet, les gars, s'il vous plaît, le plus possible. T'es un peu trop écarté. Désolé. Allez. Allez, on appuie sur Jaina. Et les blocs. Libérez pas Jaina, je suis loin exprès. Allez, go Jaina. Allez, tenez bon. Allez, les gars. Oh, je suis la seule heal, hein. Allez, envoyez la sauce, les gars. Tenez bon. Popo, tout ça. Allez, envoyez. Allez, go, go, go. Allez, on envoie, on envoie. Et c'est bientôt fini les gars. Moins 20% courage, c'est bon. Allez, c'est fait. GG. 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 Vous auriez pu me débloquer, bande de salauds.
On a honnêtement, c'est un peu dangereux de jouer la strat en mode on fait les 5 derniers pourcents en full burst. On peut libérer là. Oui. Je pense qu'on aurait pu quand même jouer la strat jusqu'au bout, jouer les glaçons et. Ouais, c'est pas faux. Merci. Mais j'ai joué quand même. Mais c'est parce que je savais que c'était à 5% et pas à 0. Oui, enfin. Ah, bah j'ai rien eu. De la puissance. GG les gars. Ça mérite facile. Un petit screen ça, non? Ouais, ça mérite un screen. J'avoue, là on se met tous et on fait photo de famille quoi. Et du coup on la bute pas, putain je suis déçu. Allez, tous à côté. Je me suis rien spoilé, je pensais qu'on allait la buter. Moi, je suis tous avec Nata. Non, bravo. Il faut un peu plus tôt regarder là un peu plus devant que le coffre qui soit dans notre dos. Ouais. Tant pis, Nathanos c'est. Nathanos il regarde de bon, mais il est con. Oui, il est con. Crevard de loot. C'est vrai, c'est dans l'autre sens. Ah, mais maintenant je suis là, c'est dans l'autre sens. Dans cette guilde. Il y a Thora qui monte son cul. C'est vrai, c'est dans l'autre sens. Voilà. Dora, ton cul. Allez, Toto, là, avec ton torrent de mince. Voilà, une belle photo. Oh, on est beau. Dans la boîte. GG, les gars. Ouais, GG tout le monde au bout du deuxième, troisième try. Troisième. Maintenant on peut partir en HM. Maintenant HM, c'est parti pour nous. Ouais, vu l'heure, on go, le go, le HM. Allez, go. Qui c'est qui voulait la bague du coup? Comment on ressort? Attends, fais voir si là tu parles à la bague, je pense qu'elle est intéressante. Parlez à Nathanos. Parlez à Nathanos. Si on veut pas lui parler. Non, j'en veux pas. Fais une pause maintenant. Ouais, on va faire une pause maintenant. Disons qu'il se vient justement, comme ça tu perds pas de temps. Ceux qui veulent pas faire la pause, on avance sur les trash. Et c'est ça, voilà. La bague, je la donne, hein, vraiment. Et bah pour attends, t'as eu quoi comme bague? Sortez bien, je crois que c'est vrai, tu la voulais attends, pas vraiment aussi. C'est l'amiral suprême. Moi, ça m'intéresserait peut-être la hâte maîtrise. Et tout le monde dort, s'il vous plaît. Vous rendez, les gars, vous rendez. Attendez. C'est... Pour l'instant, c'est one. Attendez, je vais rendre. Deux secondes. Ah! Thorak, tu peux sortir s'il te plaît? Ouais, il y a pas de cinématique, c'est horrible hein. Ouais, c'est nul quoi. Ouais, je... Attends, j'ai fait une connerie, je suis retourné. Rentrez pas. Par contre, les gars, est-ce que c'est bien vos stats ou pas? Parce que si c'est pas vos stats, rendez pas. Si c'est pas votre stat... Ouais, si c'est pas vos stats opti. Attends. Non. Non, ça va pas le faire pour moi. Enfin, si, mais. Si, mais non. Vous pouvez rentrer les gars. Tu peux oublier mon round. Pardon. Du coup c'est qui a fait 88 là? Bah c'est moi, mais donne le celui d'avant. Donc 86 il y avait. Premfeya, t'en as besoin toi? Non, pour Easy, passe-toi Easy. Non et Easy il la rentre directement, il a fait 20 tout à l'heure. Ouais mais ça. Y'a personne qui rendait, au final ça a été relink. On re-rend. Ouais. Non. Franchement, ouais, tant pis. T'aurais fait 90, t'aurais dit que tu t'aurais regardé ton premier round. Refaites un vrai round de ceux qui n'y vont. Attends, on va faire ça, hop, voilà. Attends, allez. On refait, c'est pas grave. Ouais, seulement vraiment ceux qui n'y les gars, par contre. Allez. Allez, Abby, vas-y, refais. Allez, Abby. Y'avait qui d'autre? Elle avait vraiment pas Abby, hein. Accro. Non, j'ai eu la baguette tout à l'heure, je le laisse. Donc c'est pour Easy. Donc c'est, il est où Easy? Donc c'est qu'il est Easy. Là t'es en PVE. Attends, je rentre. C'est mignon un HM ou pas? Ouais, là on est sur les ZAD. Hein. Quoi? Je croyais qu'il y avait une pause. Il y a une pause, mais. On a pause, ceux qui ont envie d'avancer les autres. C'est ça. Hein. On peut commencer les trucs. On peut aller en pause, ouais. Je rentre Easy, je vais te donner ta bague, je tape pas. Je suis là, Nécro, t'inquiète.
Ah, tu peux pas, t'as pas mieux. Bah si, j'ai du 300... Bah j'ai du 380... Ah putain. T'as du 380 et c'est du 385. Ah mais elle me sert à rien, putain, c'est con. Voilà. Enfin si, elle me sert pour ma SP2, mais... Ça c'est tellement de la merde, c'est tellement inadmissible ce qu'ils ont fait. C'est compréhensible, vu qu'il y en a qui abusent. Bah, non, désolé. En fait, tu pourrais faire ça, tu vois. Ils pourraient le faire jusqu'à temps que le progrès ait été fait. Après, ils le virent. Mais non, justement, ça serait trop cheaté. Non, moi je pense qu'il devrait faire, c'est juste à partir du moment où c'est des stats. Quoi à partir du moment où c'est des stats qui sont pas du tout optiques pour ta classe. Non, mais puis ils avaient dit que ça les faisait juste chier parce que du coup, les mecs ils explosaient le progrès avec. Bah, Cassandienne, du coup, mettez-le tant que le progrès est pas fait. Après, virez-le nous. Nous, enfin, ça nous a jamais servi à rien. Ce truc-là. Ça fait qu'on desse des trucs dont on a besoin pour d'autres personnes, quoi. C'est tellement triste. Ah là, le pire c'est qu'il met même pas le deck. Si, je suis désolé. Ah ouais, mais pour ma SP2. Le seul gars que ça ferait pas pleurer, c'est Toto. Il s'en bat les couilles. Qu'il a des cons. Arrêtez les boules. Oh, fais pas semblant. Tu les aimes bien, les boules. Coquin. Là. Mais putain, mais. Oui. Ah mais c'est parce qu'elle pop à nos emplacements, faut être toujours mobile en fait. En même temps, t'as quand même quelques secondes pour les esquiver. Hein. Donc, normalement, si tu regardes un peu ton père. Ah, y'en a soi, je pense. Elle pop pas n'importe où, elle pop sur. Ouais, mais t'as le temps de te déplacer avant qu'elle explose. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on peut même pas libérer quoi. On libère, on revient à la vie, on meurt. C'est ce délire. C'est bon, tu peux revenir. Ouais, bah. Faites gaffe, il y a encore des bouboules, c'est bon. Du coup, il y a. Je mets une option sur la brise aube, hein, si elle tombe. Du coup, il y a personne qui a fait la pause quoi. Bah non, ils ont envie d'aller taper du boss. Hein. Si, il y en a qui ont fait la pause, je pense. Moi je l'ai faite. Hein. Si, je crois qu'il y a Abby qui est parti en pause là, même pas. Alors, qui a attention, hein, derrière, c'est pas des trash mobs. Hein. Ils sont complètement dingues là. Bon, vous l'avez dit que Jaina c'était de la merde par rapport au rempart. C'est clair. Attends, HM. En HM, c'est exactement, c'est exactement le même boss. La seule chose qui change à HM, c'est qu'à un moment donné, elle fait un orbe de givre. L'orbe de givre, il est super gros, etc. Et bien sûr, pour éviter qu'il explose et qu'il fasse trop mal. Oui, mais peut-être sur les tanks, mais pour l'instant, enfin, je parle du gros des trucs à faire. En fait, l'orbe de givre, il faudra le soc pour qu'il devienne plus petit, pour que justement, il explose moins fort. Voilà. Bon, ça, faut être clair pour la pause. Bah moi j'ai mis la pause en fait, tout le monde pouvait y aller, en fait là c'était juste les gens qui voulaient rester, c'est vrai. Du coup il reste 45 secondes. Oh mais bah vas-y, va prendre la pause tranquille. Rajoute 2 minutes. Ah on fait une vraie pause. Remets-la à 2 minutes. Ouais, on s'amusait juste sur les trash. Hein, mais la pause 2 minutes. Non bon, on peut refaire une vraie pause. On est parti pour 3 minutes de plus, allez-y. Non parce qu'elle doit sortir son chien dans ce cas-là. Bah, allez-y. Hein. Ouais, pas de soucis, hein, vas-y, on peut attendre, moi ça me fait pas d'attendre. Oh, vas-y, fais maintenant c'est qu'on va. A tombé Jenna, on peut attendre. Hein. Je vais faire une partie d'Apex, je reviens. Non. Par contre, on peut toujours aller valider la quête de Jane tant qu'on ceux qui font pas de pause. Kota, tu peux mettre. Oui, on peut faire ça. Pour 2000 de puissance. Tu peux mettre une pierre, s'il te plaît, Kota. Je vais me TP au port direct, moi. Je vais aller valider ça. Je vais faire la même aussi. Allez, faut la valider où au bateau. C'est Nathan aussi. Ou à la quête. Si vous y allez, vous en avez pour un peu plus de 3 minutes, hein, je vous préviens. Il y en a au moins pour 5 minutes. Non, mais y allez minutes. Pas maintenant, les gars. Ah, bah faut pas y aller maintenant, bah alors vas-y. Ah, bah faut aller prévenir, mais merde. Je TP. Gentil, merci. C'est le truc. Ouais, du coup, en HM, il y a un truc qui fait que les. Il y a un sort
qu'elles balancent sur les tanks qui font que bah du coup ils vont monter beaucoup plus vite en stack. Oui. Il y a ça et puis après voilà, enfin ça fait plus de dégâts bien sûr, etc. etc. Et nous on a un énorme socle. Encore faut-il qu'on arrive jusqu'à elle déjà. Oui, t'inquiète. Par contre, du coup, sachez que lundi, on essaiera de rush le NM, je pense, rapidement d'une soirée. Ok. Et comme ça, après, on repartira sur le HM à partir de lundi. Et... C'est histoire que tout le monde revoit un peu les strats, surtout des deux derniers boss, quoi. Non, 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 on n'est pas obligé. De toute façon, elle apporte aucun stuff, rien du tout. Non, 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 c'est que de la puissance. Et bah, tant pis, c'est pas grave. Merci pour le jouer les boules. Mais bon, c'est pas grave. On leur fera, hein, y a pas de soucis sur ça. Pauvre Kot, à chaque fois il loupe, hein. C'est horrible. Désolé Kot, du coup. Je vais vite fait aller chercher mes breloques, en fait j'ai oublié. Pas sur le HM. Ouais, pas sur le HM. Pauvre Kot, à chaque fois qu'on tombe le dernier boss, il est pas là. Il sera là mercredi. Oui, ah bah il sera là. Oui. Enfin, j'espère. On avait dit qu'on les tombait plus facilement quand il était pas là. T'es méchant. Ouais, enfin, franchement, Jaina, c'est une rigolade quand tu compares au rempart. Ouais. Donc, ce soir, pour l'instant, Kot, pour te donner d'idée, le rempart, on l'a first pool en fait ce soir et Jaina, on l'a 3 pool. Non, oh, désolé, c'est pas, t'inquiète. Non, non, on est pas désolé pour l'instant qu'il parle le rempart. En HM, on est à combien là On est à 2 sur 9. 2 sur 9 ? On a commencé à 21h, Kot. Enfin, à 20h58, on était en train de faire les trash. Donc. 4, 3, 2, 1. Allez, je fais un appel pour vérifier que tout le monde est bien là. Ouais. N'oubliez pas de reprendre une flasque. Hein. Ça fait plaisir en tout cas. Du coup, j'arrive dans 30 secondes, hein, Jin. Mm-hmm. Pardon ? Je suis là dans 30 secondes, le temps que j'achète les breloques. Mm-hmm. Accro. Donc, on n'oublie pas là pour le boss, hein, facile. De quoi qui, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il a appelé accro là ? 30 secondes. Moi, le truc massif. Mage. C'est là qu'il est avec Jaina. Je pensais que c'était Crollo qui voulait nous donner sa date de naissance. Qu'est-ce que tu veux, Prem ? Je voulais savoir, après le raid, ça, tu auras 5 minutes vite fait pour me craft les trucs que je t'avais dit la dernière fois ? Bah, vu que je me souviens plus, peut-être, et oui, j'ai 5 minutes pour t'aider. C'est de la bouffe ? Ouais, c'est de la bouffe. Ouais. Merci. Puis tu remettes ta toque sur la tête et que tu fasses la bouffe. Ouais, j'ai envie de voir la vitesse que tu vas. À combien tu vas de vitesse ? Bon, ça, c'est facile. Tiens, regarde. Un petit feu. Ah oui, d'accord. Oh, vite. Toi, tu mets 10 piges à côté. Mais c'est ça. Ok. Voilà. Toi, ça va vite, ça. Ah, je vois ça, ouais. Acroma Shadow, vous êtes là, du coup. Hein. Ok. Ouais. Ah, je refais. Bah, du coup, vu que ça fait plus d'une heure déjà. Je vais vous remettre un chaume. À côté de la porte de début. Monsieur est trop bon. N'hésitez pas, mais. T'es en train de dire qu'on a tombé Jaina alors qu'il y avait plus de flacons. C'est un peu ça. Oh oui. C'est un peu ça. Le mien il s'est enlevé pendant le dernier fight. Ouais, moi je dis rien, mais il y avait en plus les plus hautes instances de cette guilde qui n'en avaient pas. Ah bon ? Carmelia. Moi je l'ai. Bah, elle l'avait plus, du coup elle a perdu. Minute, oui. À une minute de la fin. C'est pas une excuse. Du coup, ouais, juste par rapport au flacon, tout ça. Si vous arrivez à faire des PO ou si vous êtes herbo, n'hésitez pas à nous trouver des encorassés, les gars. C'est vraiment le seul problème en fait. C'est vraiment le seul problème qu'on a pour faire des flacons en assez grande quantité en fait. Voilà, tu pourras nous mettre un crivoir s'il te plaît, Séphie. Ah ouais, pardon. Je sais pas si tout le monde l'a en fait, c'est pour faudra ça. Faudra qu'on parle ici après, Jim. Faudra qu'on parle de 2-3 trucs. Ouais, pas de soucis. Par rapport à ça. Ouais, par rapport aux farms. Ouais. Donc, pas de soucis. Allez, on est parti.
Donc pareil, ouais, hein. Tu voulais quitter la guilde et tout. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. On fait gaffe aux ZAD et on se met bien dans le. On met bien le LAD dans son dos. Fire tout ça. Ouais, je prends des dégâts de con. N'oubliez pas de kick les ZAD dès que possible. Pour les deux premiers déjà, voilà. Putain. Il faut croiser. Ah mais sur bon, quand tu te viens sur la gueule. Un slow s'il vous plaît sur le. Tenez-vous, attention, faites gaffe, croiser. Gaffe à la zone. C'est le croisé qu'il faut focuser. C'est lui le plus gros. Hein. Les autres, les autres, il faut les kicks. C'est pas juste! Et on tape pas le boss. Je me suis retourné après! Et on finit l'AD! Il est pas mort encore! Ah, faut le virer de la zone! Hein. Et vite! Hein. Et on fera pas le boss, on attend. C'est quoi le boss? Les gars, faut faire gaffe à faire aux zones, hein, franchement! Les BL, pardon. On aurait dû la faire au coup. Et les ZAD qui a? On a un ad au cac là. Écarte le boss du disciple. Pensez au kick sur les ZAD. Ad. On va passer sur les ZAD. Go Ad. Des zones de slow. Hein. Et récupère le boss, Kia. Allez, on tape à le boss. Go. Go, boss. Allez, on le burst. Et bah, les ZAD. Faudra kick à tout prix. Récupère tout et kick à tout prix. Et tournez-vous quand... par rapport au croisé. Et sors-le. Tournez-vous. Personne en fait. Bah non, mais là c'est. Là y'a beaucoup trop de monde qui ont pris la zone jaune en fait. C'est vraiment horrible là, les gars. Moi je suis pas mort de ça par contre. Hein. Non, je suis allé. Le croisé, il est venu, il m'a mis un coup d'épée, je suis mort. Mais après, là, voilà, le truc en fait, y'a pas que la zone, je suis d'accord. Après, voilà, le truc c'est au niveau de la zone, c'est que nous on peut pas non plus dispel tout le temps. Déjà, hein. Après le croisé, c'est je sais pas, à un moment donné, en fait, il s'en bat les couilles de toi, Kia, et il se casse. Non, c'est juste que j'ai pris la désorientation, en fait. Okay, ouais. Pour être franc, moi, perso, la zone, je l'ai pris quand j'allais finir le croisé. Oh, mais t'inquiète. Il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment regarder de partout, les gars. N'ayez pas peur. C'est pas grave si vous tournez la caméra. C'est vraiment un fight qui est, genre, honnêtement, en tank ad,
C'est tellement pourri ce fight, c'est un boss de merde. Mais on peut se permettre de prendre la zone s'il au milieu de la zone est presque mort ou pas? Non. Non, non, parce que derrière, le truc, c'est que si jamais tout le monde le fait, tout le monde prend un debuff, en fait, et puis c'est un healable, en fait. Et on peut en dispel ça que 4. Ça fait un énorme burst dans... Enfin, un énorme dot sur la gueule, en fait. Ouais. Ok, ouais, bon, bah... Quitte à perdre du temps... Ou mais je... pour le coup, je préfère que si jamais il est presque mort et que tu vois la zone, je préfère que tu t'écartes, en fait, et que t'attends de repasser sur le boss, tu vois. D'accord, ok, ouais. Dans le sens où ça évitera de prendre le debuff sur la tête, quoi. C'est bon? Ok, ok. T'es ok? Deux secondes. Ah, c'est bon. Oh. Pressé, ce mec. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. BL, vas-y. Go BL au pool. Désolé, je l'ai pas dit au début. On va la faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. On est où face au croisé, attention. Enfin, face. Oh, je suis désorienté. Attention, mais rien. Slow le croisé. C'est bon. Donc, apparemment, elle fait sa zone automatiquement vers le croisé. Attention. Sinon... On va bientôt passer sur les A. A2. Allez, lâchez le boss. Retournez-vous. Je fais le mando. Sauf que là c'était pas le croisé qui fallait focus. Faut focus celui qui est gros, hein, les gars. Ah, je suis désorienté, désolé. On attend avant de taper le boss. C'est fille, mando. Mando dispel. Go. Disciple qui se balade. Sur Drac, Dispel. Sur Miganis. Attention. Quad. C'est encore une disciple. Voilà, focus la disciple. Le crâne. Je dois utiliser l'inertie au moins. Attention, Gina. Monsieur. Il y avait croisé qui nous sort. Ah, ok. Et merde. On attend. Go boss. Mando est mort. Hein. Il y a pas la zone. À la fin quand même. Oh zut, je l'ai pas eu, ça m'énerve. Ah, allez hop là. Ah c'est pas ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a des pièces de cette pop. Qu'est-ce qu'il y a une briseau qui me sort là. Voilà. Ah oh, zut. Il faut la mériter, attends, je suis même pas mort. Elle arrivera, elle arrivera.
Oui, quand j'en aurais plus besoin. Mais si. Il me faut du crit, ça m'énerve. Moi, j'ai du crit. Ah, ah non. Mando, vous pouvez aller pisser vite fait si vous voulez. Hein. Je n'ai pas Mando. C'est beaucoup mieux. Ah, ouais, il peut me la donner aussi. Hein, si... Ah bah ça, il va voir aussi. Grande déjà. T'es sûr que t'en veux pas? Faut check les traits. Non, je faut check les traits, hein, parce que c'est plus 415, mais en trait débloqué, faut que tu regardes. Oui, si non, c'est mais pour ta tank. Là, t'as. Le pouvoir de Bon Samedi se répand dans la cité. Pour l'instant, je peux rien faire. Les mages, on vous a pas embêté tout à l'heure. Vous pouvez nous faire une table, s'il vous plaît? Oui. Je l'ai mis devant. C'est parti les gars. Hop. Oh, bah je l'ai pas. Et là il fait 6. Il rentre pour quoi? C'est très bis hein, pour pas le DPS. Le torse. Ah bah oui, voilà, c'est ça que je dis, bah, si c'est un bis pour ça, pour ses... Il y a Camper Fit ça... dessus, il y a le truc de Tempête de Mire aussi. Après c'est pas parce... Armure, t'as l'heure qu'il y a. Parce qu'après c'est pas que... C'est pas parce que t'as du 415 manteau que ça... Là c'est les traits qui sont importants, hein. C'est pas que le ça. Level hein. Ah ouais, je sais, c'est moi qui t'en hein, c'est pour ça que t'en veux plus. Hein. Ouais. Ça dépend de ton rack hein. Ouais. Bon, je pense que 15 level vaut mieux avoir le trait plutôt que les stats force et endu quoi. Ça non dépend le trait. Non mais je retiens qu'il y a hein, t'aimes pas ça mes cadeaux. La classe, ça dépend le trait. Pas grave, tu vas voir. Tant pis. Tu me devras une brise aube. Hein. De toute façon, je pense qu'en arme, mais parce qu'il faut. Tu vois le lancement des damnés. Doucement, le cavalier. Le crâne. Mais si c'est le petit pour lui, pour ses traits DPS, ça évite de le garder. Qu'on soit clair. Non, mais je déconne, hein, tant pis. Hein. Je sais que tu veux pas de mes cadeaux. Hein. Mais non, mais. Mais si, ça se voit, tu me détestes, là. Ça y est, monsieur, une autre armure à tombe, il préfère l'armure des autres, bien sûr. Oh, je vais en prendre un pour taper sur l'autre, hein. Oh mais je suis déçu là tu vois. C'est désagréable des discussions comme ça là où c'est que dans un sens. Hein Toto? Alors laissez Toto où il est. Laisse GG à toi Mando. Ouais bah garde-les, bah, c'est pas... C'est le mieux Mando, franchement. Je pense que les traits seront mieux. Comme ça, j'ai pas à faire la gueule à Kia parce que. Comme ça pas de jaloux. Non, honnêtement, moi c'est parce que c'était 400 que je la voulais, l'autre tout à l'heure, 385, je te l'ai donné parce que j'ai dit 400. Bon, du coup, il tombera mieux. Petit pour toi. Et ouais. Il y a ma fiancée. Il y a le bordel qui me fait super mal en dessous des 20% en deuxième. Non, mais là, il est vraiment bis pour pas le. Ah bon. Bah, il l'a eu au moins, tant mieux. Ouais. Et ça n'empêche que vous devez une brise haute. C'est fini, oui. Elle tombera, t'inquiète. Non, je pense qu'elle tombera plus, la brise au. D'ici 3 mois, elle doit tomber. Ouais, bah j'aurais mieux. Maintenant que tous les autres l'ont, normalement, elle devrait plus tomber. Du crâne. Ah oui, mais moi je l'ai pas eu, donc elle devrait. J'ai route. Ah putain, du coup, on aura plus qu'un seul route. Oh. Bah non, y'a Healer qui est là. Le route, non. Je crois pas qu'il ait le talent du route aussi. Faut qu'ils le prennent. Occupez-vous de cette distraction. J'ai pas regardé. Il y a des bijoux, on les a attendus toute une extension. Je me souviens, c'était celui qu'on lootait sur la reine des elfes. Alors ça y est pas là. Ce bijou. Jinam, tu dois rien dire par rapport aux routes. Chut. Faut pas le dire. Pourquoi on a perdu les deux tanks? Ouais, on a perdu. C'est pour ça que je prends des calottes. Ouais. Ah, les heals de nos jours, hein. C'est la chute d'Amelia, ça. Il a pas heal. Oh bah, Dieu, hein. Adieu, mon cul. En fait, c'est le prêtre, c'est le médecin là qui est en train de dépop. C'est surtout qu'on a quoi heal. Parce que moi, je.
C'est surtout qu'on a contrôle tous les... C'est surtout que j'ai route tout le monde, et le truc c'est que vous avez tout DPS, du coup les routes ça sert à rien quoi. Donc, c'est ça. Mais, en même temps, on peut des barbares. Routes, c'est juste que, en fait, comme je dis à chaque fois, les cavaliers, faut juste les décast en fait quand ils font leur DPS. Mais là c'était pas les cavaliers qui ont fait mal. Ah si. Parce que quand les cavaliers sont morts, en fait. Il y avait juste à prendre les cavaliers, les sortir, et puis on aurait plus DPS. Oui, si c'est vrai. Quand le cavalier meurt, les dots qu'il a cassé sur lui se transmettent sur les autres personnages, en fait. Et quand t'as le médecin qui fait son châtiment en 0,5 secondes tout le temps, ça fait mal. Et quand il est pas tout seul à le faire. Ah, mais de toute façon, c'est la faute des tanks. C'est juste qu'ils sont juste à prendre les cavaliers, les emmener très loin, et se buffent pas. C'est tout. Te cherche pas d'excuses, Démé. Ça fonctionnera pas. Allez. C'est bon, tout le monde se rappelle du boss là ? C'était une semaine. En gros, je reste avec les tanks, comme d'hab. C'est ça. Ouais. Comme ça, je suis fier, on va taper. Du coup. Commence pas, y a plus de deuxième de route, ça existe plus. Du coup, juste pour rappeler vite fait, donc en BL 40% bien entendu. Ensuite, faut juste esquiver les missiles, toujours, d'accord, pour éviter la zone au sol. Dès que les missiles vont être annoncés, vous pouvez vous commencer à bouger. Enfin, vous allez voir un missile proche de vous, vous faites vraiment gaffe, l'animation se voit, et vous essayez de bouger pendant que vous le voyez. Comme ça, ça évite d'être statique au moment où ça va pop et ça évitera de prendre des dégâts. Ensuite, à un moment donné, une personne sera ciblée pour le jet du tank. Donc, n'oublie pas de s'écarter le plus loin possible du raid pour que ça fasse le moins de dégâts possible. Ensuite, on n'oublie pas de DPS les ZAD et de les cut surtout, de vraiment cut les ZAD. Et donc, One, tu t'occupes de l'orbe. Et bien sûr, on essaie de le faire lancer ses trucs à 50. D'accord ? Voilà. Allez, un petit tap. Allez. Oh. Il arrive. Je sais pas. Il est en train de mourir ou quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Oh là. Tu l'as eu? Il nous a vu. Oui, il nous a vu. C'est ma faute, désolé. Essayez de vous dépaquer pour le moment. Ouais, soyez dépaqués dans un coin. Missile, attention, regardez bien où est-ce qu'il parle, missile. Et après, soyez paquets, oui, j'ai oublié pour le grondement pour le fire, c'est vrai, je vais appeler ça. Ad. Voilà, de droite là-bas. Okay. Pardon. One shot. Oui, c'est one shot le tank. Soyez paquets. Pas longtemps, il va y avoir le fire maintenant, voilà, soyez paquets. À 50, hein. Du coup, c'est Emilian en premier, Ginam en 2, Shadow en 3, c'est Varane dernier. Pour les heals. Allez, c'est des defs. Hein. Vas-y, go, c'est des defs. Non, pas go. Capel Bay. Wouah. Ouais, go dans le feu, les gars. Allez, go dans le feu. 5, 4, 3, dans le feu, s'il vous plaît, les gars. Il faut mourir. Dans le feu, s'il vous plaît. Je suis fier, je peux pas. Allez, au revoir. Colo dans le feu. Wouhou. Bah, mais moi je suis en tissu. Tissu, ça brûle vite. Désolé pour le pool, j'ai mal foiré. J'ai foiré mon dot. Non, mais ça va. Pitude. En sauf quand t'avais dit de prendre le poulet, là. Eh les gars, calmez-vous. En plus, tu t'es fait balancer en même temps qu'il y a, c'est ça? Il s'est fait foirer son pool, mais au final, 5ème au DPS. Ok, on va attendre du coup de le balancer. Ouais, faut que je fasse gaffe à ça. J'avais complètement oublié ce truc, je fais gaffe. De pas envoyer le go à 55. Faut que je regarde le CD qui passe en fait.
Il t'a peut-être pas entendu. Ouais, Crollo. J'ai bien tenu au bon moment. Ah, ok, d'accord. Et pourquoi tu parles plus, Crollo? Il a plus de micro, tu vois. Ah. Et la deuxième fois. Il a la bouche pleine. Fallait me remonter. C'est mon chien, il a mangé mon micro. Et bon, profitez. Il est malade. Je l'offre la bouffe. Thank you. Il a mangé quelque chose qui passe pas. Un peu de jus d'homme qui est resté coincé. C'est mais ça. Non, c'est parce qu'à force de lui faire des bisous, bah, je lui ai refilé ma grippe, c'est tout. Et bah voilà, bravo. Ah oui, c'est bien ce qu'il dit, il a pris trop de jus d'homme. Oh. Carmé, tu m'as donné ton médicament. C'est pas bon ça. Ah, oh, non, mais c'est bon. Carmé, oh. Franchement, elle donne son remède à tout le monde. Oh. Allez, appel, les go. Fromage blanc là, avec des grumeaux. Ah, oh, non, non, c'est bon là. Oh. Tous pires les uns que les autres, quoi. Mais attends. Ah là là. C'est pas les survivants, c'est les seuls qu'on devrait nous appeler. Ah. Ah, les écœurants, ouais. Bah ben ouais, mais bon, non, on sort bien notre nom parce qu'on s'est dit à des coups. 3, 2, 1. Et sur les packs, au début. Mais pourquoi la baisse était à 40%? Oh, désolé, ma pote. Pas grave. Des packs. Ouais, des packs, le missile, attention. Attention. Ouais, bientôt l'AD. Pareil, derrière. One, écarte-toi bien. Fire bientôt. Le missile est fire. Reste avec moi, Crollo. Allez. Ok, attends un petit peu du coup. Allez. Tu vas être éjecté quand? Maintenant. Juste après qu'il soit éjecté. Ouais. C'est des def. Allez, c'est des def. Attention. Ok. Un ad. Derrière l'ad. Vite le cut. Des packs pour le missile. Maintenant, je vais le lancer quasi de suite. Allez, c'est des def. Prochain, c'est pour toi, Shadow. Yes. C'est Vaikarta. Missile, écartez-vous et paquez-vous en même temps. 5, 4, 3, 2, 1. T'as l'inert. C'est cool. Ad, derrière. Enfin, sur le côté. Pour ceux qui peuvent, hein, les gars. Ouais, go lancer. Putain. C'est des defs. Attention. Les gars, faut vraiment cut. Gaffe au missile. Des tartines. C'est normal. Je te dis quand tu t'entends. Tu n'auras pas de. Préparez-vous pour l'AD. Ah, bouge-le. Paquez-vous. Ah non. Attention, écartez-vous. Bouge-le, s'il vous plaît. Go l'AD, les gars. Et go kick. Les kicks importants. Vraiment très important, les kicks. T'auras qu'écarte-toi. Tenir Crollo.
Merde. Ok. Clic. Allez. Oh putain. C'est des devs tout le monde. Go le lance. Tenez bon le plus possible. Ah c'est mort. Okay. On meurt. Ah non ? Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Enfin, garde espoir. J'ai un faux mille, faux mille, faux mille. Ça va être chaud. J'ai une info. 5, 4, 3, 2, 1. Mais paquez-vous, on fait pas l'AD. Faut juste le cut l'AD. Go cut l'AD. J'ai plus de mana. Quasiment. Faut que on tu aurait, on aurait dû le faire. C'est fit taunt. Oui, mais j'ai fait un taunt, mais. Non, on aurait dû faire là de toute façon. Ah bah si, ça y est, à la fin il me l'a pris. Attention. Désolé, mais ils s'en foutaient complètement de ma gueule quand j'ai taunté. Oh, saloperie. Les gars, mourir, les gars. Non. Je suis pas d'accord. Comment penser au cut les gars, parce que là du coup on a eu deux fois où on a dû me prendre trois coups de dégâts et ça fait super mal quoi. C'est compliqué de remonter tout le raid quoi. Va falloir refaire comme la dernière fois, va falloir refaire des ordres de cut hein. Du coup le premier, moi je suis dessus, qu'est-ce qui se met avec moi par sécure pour le premier? Moi le premier, pas de soucis, je peux y être hein. Bon, on se met tous les deux sur le premier là, le tout premier quand il apparaît, ah ouais. C'est un de nous deux qui le fait comme ça, c'est au plus près. Ouais. Après en général, sûr, on... c'est moi Titi qui a posé une après, question. C'est Thora qui est général. Il faut c'est celui là qui pose souci là, c'est le quatrième qui est systématiquement pas cut. C'est quasiment été celui-là à chaque fois, donc faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le quatrième. Généralement j'essaie de le claquer dès le début mais je vais garder mon cut ouais. Pour la fin de la. Ok, super. Du coup, ouais, normalement tout le monde est censé avoir des bursts. Là, bon, on évite de lancer la BL au pool. Ouais, du coup, il n'y a pas de soucis. J'espère que vous avez tous des. Bah, t'en as pas toi, Il y avait pas un truc qui permettait, genre la jungle ou je sais plus quoi là. Bah oui, il y a le truc. Il y a encore. D'accord, c'est pas celui que tu utilises du coup. Ah oui, il y a un talent. D'accord, ok. Bizarre. J'aurais pas cru. Mais ouais, non, sinon, de toute façon, il faut les garder pour 40% les bursts. Par contre, ouais, faites vraiment gaffe à bien cut. Une fois que c'est bien cut, il y aura pas de soucis. Là, c'est juste que du coup, on a pris 2x3 et ça a fait de gros dégâts. On a pas eu du mal à remonter les tanks, sinon ça passait. Allez. Rappelle-moi juste après quoi on spack. C'est pour le grondement féroce en fait. D'accord. Faut spack. Non, c'est juste le nom du sort comme ça quand. Ouais. Ce que j'ai Wintel. Pris. Mmh. Ok, ça marche, merci. En fait, à un moment donné, il fait un grondement féroce et c'est là où il faut spacker. Sinon, il faut être tout le temps dépacké en fait. 5, 4, 3, 2, 1. Le cri est war, ça peut suffire. Il l'est déjà fait, non? Apparemment, quand tu l'as pas eu. Si, là, c'est bon. Là, je l'avais remis deux fois, juste. Ouais. Par contre, du coup, je t'annoncerai le. Ouais, soyez des paquets. Je t'annoncerai le cri d'ailleurs, ces filles, pour le quatrième. Ouais. J'ai oublié que tu l'avais. Bah, tu me dis quand tu veux que je le claque, yep. Je le claquerai. Yep, add à droite. Soyez paquets là, vous pouvez. Enfin, il y aura missile et le fire en même temps, Acromaker Thor. Missile, attention avec le fire. Ouais, je suis fier aussi. Hein. C'est bon. Mais merde. Ce sera après le combo bestia. Ouais. Y'a pas de bruit. Allez, c'est des defs. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ok.
Add. Au bout des packs. Add. Tout au fond. Shadow il est mort, putain. Qui a pas de presse. C'est vrai, Carto. Il est pas là. Je reste. Parce que c'est lui. F. Juste après le fire. Je sais pas si c'est des defs. Lancez des attaques. Ah ouais, du coup, ouais, j'en ai pas du tout moi. J'en ai jamais eu. Hein. Ouais, gros CD def. J'ai 30. Ça fait chaud. 4, 3, 2, 1. Il a pas lancé. Ah oh, putain, il a dû disparaître. Allez, go mourir. Non, mais c'est mort. Eh, par contre, partez pas trop vite du prix du lad, parce qu'à un moment il a cassé deux fois. Hein. Vous repartez trop vite, les cacs. Hein. Attention. Attention. Oui, donc, quand il est à 100, c'est mort. Hein. Même une CPTR Finch, je les ai sentis passer. Hein. Il a pris trop tôt. Faut pas hésiter à le lancer, One. Ouais, j'aurais dû le lancer dès le début au final. J'ai voulu attendre le lancer. Bah, c'est. Enfin, c'est que tu l'as ramassé un poil trop tôt. One, avoue, t'as attendu parce que t'avais plus de PV. Oui, non, mais on l'a remonté exprès. J'ai vraiment attendu parce qu'il y avait le lancer bestial qui arrivait en fait. Et si je le balance en même temps que le lancer bestial, ça one shot le tank. Par contre, ouais, donc, chose okay. Qui a été dit la semaine dernière, je vous le répète là cette semaine. Parce que du coup je l'ai remarqué là en faisant mon petit sprint et tout. Quand vous êtes ciblé pour le tank qui vient sur vous, quand vous êtes bien loin des gens, continuez à courir, hein. ça vous fera pas de dégâts. Parce que du coup le tank sera lancé à un endroit où vous serez plus. Voilà. C'était l'intervention de Jin. C'est ça. Shadow, t'es mort du feu? Bah ouais, juste après le tick quand on était full, enfin quasi low life là. Ouais. J'étais en train de sortir, mais ça m'a tiqué. Faut faire vraiment gaffe, y a le missile qui interviendra tout le temps à ce moment-là quasi, donc faites vraiment gaffe. Ouais, le dernier festin. Eh hey, les gars, ce serait bien de tomber, comme ça on peut tryhard un peu plus le troisième boss, ça serait cool. Si seulement je pouvais changer mon anneau. Le saut du Loa, tu l'as sur quel donjon? Le monde à le ah, t'as le Dazar. Donc il me le faut absolument. Allez, on est parti. Allez, concentrez les gars. Et je l'ai depuis un moment celui-là. 5, 4, 3, 2, 1. T'es pas qu'au début. Regardez bien l'animation. Attention. Derrière. Non. Sur le côté. Je vais écarter le boss. Capet bait. 3, 2, 1. Ok, je suis bien. Attention, missile et le fire. Soyez packé en même temps. J'ai pris un poil tôt. Tu le lances à 50, tant pis. Les tanks, faites gaffe quand vous allez se lancer. Allez, c'est des defs. Oh,
Ah putain, t'as tout mis dessus quoi, ça va. Les paquets. Et les 4, il faut pas. Faites gaffe à parer les Golan. Faites gaffe de pas rester sous le boss. Missile, t'as soufflé des paquets. Attends, avant de le prendre. Car à 45. Vas-y. Oh, paquez-vous. J'attends de lancer du coup. Ouais. Enfin non, go lancer maintenant. Capet veille. C'est les defs. Add. Derrière. Attention, 3 secondes, fire. Fire. Attention. Je suis fier pour l'or. Que tu la prends juste après. Préparez-vous, Shadow c'est pour toi. C'est des def. Il y en a 3, attention. Shadow. André, écarte-toi. C'est pas 40% la BL? Ouais, go BL. J'ai pas vu les pourcentages. Add. Go LAD. Attention les filles. Du coup, pour le prochain truc, ça sera Sefi et Seva. Pour les cris, donc on attend un peu. Pour les cris? Après t'inquiète, je te l'annonce. Ok. T'es nécro. Missile, écartez-vous. Et vas-y, CDF. Go lancer ton cri. Go lancer le cri. Je l'ai lancé déjà. Nickel. Ouais. Dépaquez-vous. Dépaquez-vous. On fait de la deck hip-hop, hein, de hip-hop. Attention. Merde. Go LAD, deck hip-hop sur le côté. Faut vite le défense et cut. Yann, elle aura de nouveau son regain, c'est bon. T'as pas une petite herbe? Sinon, je peux pas lancer le regain. Allez, vite LAD. Vas-y, lance. C'est des def. Ah, bah non, pas la peine, oui, il était à 5%, donc c'était bon en fait. Bah, si oui. Tu pouvais. Bah, oui. Les gars. C'est vrai que 5%, tu lances le truc, il meurt. Puisqu'on fait 5% par truc. Allez, debout, ami plus mat. Je me ferai un plaisir de contempler votre chute. Le loi de la mort. Nathalie, elle n'a droit de vrai funérailles, il me semble. Ouais, 14-7 apparemment. Bon. Les gars, si vous plaît, on fait gaffe là quand on avance et on y va tranquillement, on fait tout tranquille, on rush pas tous les trucs, s'il vous plaît. On fait vraiment tout, PPR, on est pas pressé. De quand vous avez les éclats de glace autour de vous, puis du jeu, si vous écartez, vous n'allez pas chez les copains. Et les copains, faites gaffe. On évite de pulser des dégâts sur tout le monde. Je vais vous geler sur place. Mmh.
comment tourner les escaliers. Je vais vous geler sur place. Elle veut pas se taire l'autre. Ah, je l'écoute pas. Ils ont fracassé tout à l'heure. Oups. J'ai déjeuné. Il y a une grosse nébelle. Oups. J'ai encore été gelé. Faites gaffe les gars. Inhibiter les trucs quand même. Bah je suis gelé sur le truc gelé, donc je peux pas faire grand chose. Bah tu peux te dispel hein. Bah non, pas quand je suis gelé. N'hésitez pas à monter parce que vous êtes hors vision. Donc comment tu veux que je me dispelle si je suis glaçon sur glaçon? Ok. Du coup, je rende la cape polymétrise. Et tu me donnes l'autre. J'espère que vous supportez bien le froid. Ça va partir au rand, hein, ça. À moi. Avec un 8, ça m'étonnerait. Nina. Oh lolo, la veut. Donnez-lui, elle fera du meilleur heal. Hein. Ah, ah, ah. Non, 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 tu t'es trompé. Elle commencera à heal. Ah, allez-y, juste pour rigoler. Montrez-nous le heal du boss précédent, s'il vous plaît. Mais c'est facile, t'es une vie. Arrête un peu. T'as juste à appuyer sur une touche et tu fais oh j'ai heal. Oh, mais j'ai oui, bien sûr. Ça va. Faut jouer des vrais classiques. Bon, le heal du premier boss dans ce cas. Allez-y. Non, non, mais heureusement qu'on a G. Bon, le heal du Gina. Puis s'y va. Non, mais allez-y. Ah, bon, heureusement montrez, qu'on a les... Hein. Moi, j'ai pas fait gaffe, alors allez-y. Hein. T'as juste venez pas sur moi, venez pas sur moi. Carmé, t'as juste cliqué sur un joueur et t'as juste lancé des heals sur lui, c'est tout, arrête. N'importe quoi. Tu t'es mis au collé à lui juste pour dire que les heals que tu lui envoies, ça va sur toi. Voilà. Non mais c'est tout, t'inquiète, y'a pas de soucis. On te connaît maintenant. N'importe quoi. On l'a vu la dernière fois sur le rempart, hein, sur le bateau. T'étais premier au heal, mais... Mais on pas sur rien. Les... Pas sur le druide ni sur le mage, je m'en rappelle ça. Hein. Non, non, il y en avait que deux qui avaient eu du heal. C'était Sepi et Kia. Non, mais parce que moi, vous seriez plus gentil avec elle. Vous aurez. C'est vous ça, aurez... vous allez. À un moment, vous en aurez vraiment plus du heal. Avez... Mais c'est pour bon, ça qu'on a demandé. Sepi, il est pire que nous avec Carmé. Mais non, c'est que Carmé, elle a pitié de Sepi, donc du coup, elle le heal. Ah, oui, d'accord. Et puis. Du coup, c'est Crollo qui gagne là, la cape. L'orbe de glace, c'est Jaina la l'orbe de glace. Oui, mais c'est Crollo, il avait fait 99. Eh oh, j'ai fait 100 moi, je signale. Oui, oui, nous ouais. Aussi on sait faire des rangs de 100. Ils sont méchants, hein. Et toi, tu dis rien, hein. Oh bah attends, je vais pas l'aider. J'ai un enfoiré, hein. Ouais, je sais bien. Tiens, si je pouvais ne pas te connaître, qu'est-ce que ça m'arrangeait parfois. Ne laissez pas vous arrêter, héros. Bah, c'est Jaina, vrai, hein. Tu ferais mieux de la fermer, tu t'es déjà fait niquer. Regarde la glace derrière, monsieur. Mais pourquoi j'essaie de te délivrer, moi, en plus. Du coup, il n'y a pas grand monde, du coup. Alors, on contrôle les mobs, s'il vous plaît. Tiens, regarde. Il y a des barrières de glace, on ne poule pas, on ne poule pas. D'abord, on libère. Merci. Et on focus que... Et on focus que les cavaliers, je veux les sarments. Vas-y go. Je décaste. Pour l'alliance. Vous avez 10 secondes pour le finir avant que les autres arrivent. Ils sont vraiment méchants quand même avec moi. Donc pour le boss, je rappelle vite fait les deux différences par rapport au normal. Donc il va y avoir des zones rouges qui vont vous faire bump. Sauf si vous faites
attention. Et du coup ça vous bumpera pas, et enfin les genres one toi avec ton truc, ça te fait pas bump. Je sais pas si elle n'est pas là quand vous mettez bubule, si vous la prenez vous êtes quand même éjecté ou pas. Comme ça fonctionne plus ou moins comme l'aspect de la tortue, ils peuvent même en sortir. C'est pour les zones rouges au sol. En gros il va y avoir des cercles où justement ça va permettre de nettoyer un petit peu la salle quoi. Du moins au début, parce qu'après on s'en fout un petit peu. Et sinon le moine fait pop un tigre et il faut juste être écarté à chaque fois. Et défoncer le tigre sur la personne qui va être ciblée. On va BL au pool, on focus que le moine bien entendu, sauf le mage quand il va caster sa pyro. À 30 d'énergie, on fait gaffe, il y a 3 zones. Du coup, une vers là-bas, une vers là-bas et une ici. Du coup, Miliane, si tu peux aller sur le losange, Seva sur la lune, et moi j'irai sur la croix à peu près, Shadow, tu restes un peu sur tout le monde après. Tu veux pas que j'irai sur les tanks? Shadow t'ira sur le losange, Miliane elle restera sur les tanks. C'est juste, du coup après les gens, vous essayez de vous éparpiller un petit peu pour les boules, quoi, pour faire les 3 boules, quoi. Parce que moins elles resteront en vie longtemps, mieux ce sera. Bien sûr, si jamais pendant les boules, le mage fait son bouclier de feu, on arrête les boules, on fait le mage et on défonce la barrière pour la pyro, quoi. Ensuite, P2, donc le labyrinthe. On fait juste gaffe, on fait le labyrinthe normalement, on évite de passer par-dessus tout ça. On fait gaffe aux zones de feu, bien entendu, on va jusqu'au bout, on défonce la barrière, on cut et puis voilà. On se préparera à ce moment-là que le mage va se téléporter. Et à 100 d'énergie, ils vont devenir, donc comme vous le savez, en faucon et compagnie. Là. Et il faudra faire gaffe, surtout vous, les gens qui ne sont pas déjà montés dans les cieux. En fait, il va y avoir il va y avoir une petite plateforme sur là où vous serez. Vous serez au centre de cette plateforme. Il va y avoir 5 ou 6 symboles. Il va y avoir le boss sur 3 ou 4 symboles, je ne sais plus exactement. Et à un moment donné, il y en a un qui va charger. Il faut que vous mettiez face à celui qui va charger. Si vous mettez pas face à lui, vous allez prendre de gros dégâts et puis voilà. Allez. Juste comme ça, vite fait. Le portail démo, il fonctionne pas pour le labyrinthe? Si. Je sais pas. Si, il faut le mettre à la fin là, il faut le mettre. Non, tu le mets au bout là où il y a mon image. Oula, Carmet, t'as un problème de micro. Hein? Bah, c'est même avant, c'est quasiment presque à la croix en fait qu'il faut le mettre avec le décalage. En fait, c'est vers la fin, il nous fait faire demi-tour le labyrinthe, il nous fait revenir en arrière. C'est à ce moment-là qu'il faut le mettre et ça nous amène directement sur les blocs de glace. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est à peu près où est Ganom là. Ouais, Ginam. C'est pas là le portail, hein. C'est là où il y a le. Ça fait penser à lui. Mais ça passe ça au moins. Bah oui. J'aime ça. Après, vous pouvez prendre le temps de le repositionner. S'il est mal positionné pendant le labyrinthe, vous pouvez le repositionner, ce pince. Oui, je le repositionnerai. Du coup, One, c'est ok? Excuse-moi, j'ai pas validé, pardon. Ah, bravo! Je l'ai même pas vu, pop. Belle au poule! Et on focus le crâne tout le temps, sauf le mage. On peut paquer les deux, s'il vous plaît, merci. Ouais, et paquer les deux. Dès que c'est possible. Est-ce qu'il y a moyen d'AOE? Enfin, j'ai AOE, oui. Moi je oui, pense oui. Que c'est plus visible. 5. 4, okay. 3, 2, 1. Ouais, go les AOE, tout ça. Faites juste gaffe, à un moment donné, vous allez avoir des debuffs. Les gars, vous écartez, bien sûr. Hein. Genre Thorak, Miliane, là, écartez-vous. Voilà, c'est très gros dégâts. Et go le pyro. Allez, les pièges de magma, faites gaffe. Vos défenses sont fragiles. Je peux le heal. Et bientôt 30 d'énergie, attention, il va y avoir les boules. Attention, esprit de Xuan. Slade. Et après vous venez sur les boules. Côte et Primfeia, écartez-vous. Stop.
Et les boules, il y a encore une boule à faire s'il vous plaît, côté croix. Et faites le mage avant. Faites gaffe à la zone. Faites le mage. Et la boule. Les gars, la boule. On va recommencer, on va mourir. Voyons de quoi vous êtes capable. Attention, vous mettez les pieds. J'ai vu Thorak décoller, mon gars. J'ai affronté des diablotins. Bon, oui. Pardon. Et je vois Thorak décoller comme une fusée et atterrir. Ok, c'est notre faute, c'est la faute au heal si on prend trop de dégâts. On dispelle les braises le plus vite possible. Ouais. C'est tous les combien le mass dispel? Il était sur Hilliard là, non? Le dot au début, là, le tout premier. 45 secondes. Okay. Bah, dès que tu l'as de up, tu le fais quoi. Tu le... Enfin, t'annonces que tu l'as de up et tu fais le premier par exemple. Sur les femmes. Non. Disciple de mass s'il faut. Ah oui, c'est vrai que oui. Bah du coup c'est cool, vous pouvez peut-être vous échanger. En fait non, on va tous être paquets. Je te le mets. Merci. Comme ça tu vois à quoi il ressemble quand ouais. Tu cliques dessus. C'est bien le dot qu'avait Healer au tout début, c'est lui qui a pris le premier dot, je crois. Je crois bien. On était tous paquets. Sans c'est simple, il y a 3 personnes qui le prennent à chaque fois. Ok. Et le truc c'est que si on le dispelle pas, bah, ça balance plein de dégâts. Placez pas à droite. De toute façon je crois qu'il y en a qu'un dot sur cette fight. Non, il y en a 3. Non. Il y en a 3. Qu'une seule sorte de dot. Ah oui. Qu'un seul truc à dispel. Oui, non bien sûr. Après oui, les tanks ont des trucs, mais oui. Ouais, après on est 4 hits bien sûr, mais Ouais, c'est clair. Mais s'il y a le mass dispel, autant profiter du mass dispel. Trollo. Tu veux faire le swap à combien de stacks pour le feu là? Parce que ça fait quand même masse de dégâts. Hein. Ah mince, il manque prime. Ouais, pas plus, hein, parce qu'après ça commence à être hard. Oh, Thorak, espèce de feignasse, t'aurais pu revenir à patte quoi. Et go réparer les gens qui ont pas réparé, si jamais, on sait jamais. Okay. Ouais, de toute façon, là, on va tous se paquer de toute façon. Le but du jeu, c'est de tous se paquer. Ah oui, non, bien sûr, c'est simple de. Dispel. De toute façon, au pire, toi, Necro, ça te coûte rien de mass dispel. Je te foutre rien. 13200 de manœuvre, ouais, ça me fait pas chier du tout. Ouais, voilà, donc toi tu peux le faire je et. Je sais pas quelle vitesse ma menace régénère, mais j'ai 20000 de manœuvre. Oui, voilà. Mais par contre, au Shadow, tu fais du dispel normal. Nous, on fera du. Ah, ouais, ça roule. Par contre, faudra me le dire quand est-ce qu'il faut que je le fasse. Bah, au début, il faut que tout le monde soit paquet, par contre, tout le temps. Si personne n'est paquet, ça sert à rien. Moi pour que je le claque en même temps qu'au vers Shadow. Non mais Shadow il le lancera pas le mass dispel. Ça va être trop lui coûter de mana et il pourra pas heal quoi. Quand c'est 45 secondes hein. Ouais pas de soucis, mais tu l'annonces quand t'es up. Ça marche. Tout le monde se pack en fait. Il est trop loin chez Carmé. T'es derrière la porte. Bah tu le mets un peu plus. Ah si. Juste au niveau des escaliers en fait. Voilà par là ouais. Non, la dernière fois j'étais beaucoup plus loin que ça. Allez. Je vais me prendre un anneau. Même pas bah, on va bien voir. Hein. Bah, la dernière fois j'étais plus loin que ça. 5, 4, 3, 2, 1. Enfin, la dernière fois t'étais aussi derrière eux donc. Ouais. J'avais adoré. Et tout le monde paquet s'il vous plaît. C'est plus simple pour. Mais maintenant là il faut tous dispel. Vite sur ses filles. Ça fait pas de dégâts, vous voyez. Laisse tomber le mass dispel, ce sera plus simple qu'on dispel tous. Pour le mage. Piège magma, mais restez pas au paquet. Gaffe. Aïe, vous avez pris le même. Un désengagement. Go la bubule. Ouais, parfait. Bien. Ok. Il va y avoir le Xuan à tuer. D'accord.
maintenant. Et après, on fait les boules. Regarde l'anneau, tu vas voir. Tu vois, regarde, il passe au travers. Et go l'esprit de Xuyen, s'il vous plaît, les gars. Et après, on passe sur les boules. Vite, dispel sur Milan. Ok, nickel. Et go les boules. Moi, je sais pas pourquoi il y a eu que deux boules. Parce que l'autre, elle a explosé. On va se plaindre. Go le mage, le mage, le mage. Attention, la zone. Qui a pris la zone? Une autre attaque sur le. Je suis tranquille, je vais rester, va juste après. Les zones, et on fait gaffe aux zones. S'il y en a un qui peut la prendre, la zone, c'est cool. Genre, j'ai essayé avec mon bon héros. J'y vais. Spookies, dispel. Ok, esprit de Xuyen, là t'as tué. Allez. God, fais gaffe. Faux piège, les gars. Les cacs. Aïe aïe aïe, des mots. Attends, tu mets ton TP, toi. Moi? Non, le mot il a marché qu'une fois, Blizzard a arrangé le truc, je peux plus le prendre. Non, mais je parle de... Pas de toi, je parlais. Ah oui, parce que moi ça marche plus, hein. Ok. Allez, on focus le crâne. Il devait sans doute trouver ça trop cheaté. Ok, le dispel c'est bon. Ouais, j'ai pas le temps d'en faire un seul. Allez, faites gaffe. Du coup, j'étais millénaire au mauvais moment. C'est ça. Le portail démo. Il est mort. Il est mort. Et jouer safe, potion, tout ça, les gars. Il faut vite le faire parce qu'ils montent leur énergie. Et le triangle là par contre, pas frapper, pas le reste, c'est que le triangle qui marche. Il y en a qu'une seule. Et on se prépare au moment où la barrière va être cut et compagnie là. Il va falloir faire le mage. Il va falloir bouger de l'autre côté. Mais attendez que les anneaux soient partis. C'est abusé les BL. Oh grave. Faudrait presque garder la BL pour la. Bah non. Ah j'ai été un peu derrière dans ce. C'est pas grave. Allez attention, revenez bien derrière. Et le mage va être TP je pense à un moment donné. Gaffe les pièges hein. Le mage. Oh là. Faites gaffe du coup dans pas longtemps, enfin dans 24% d'énergie. Le Xuyen, le lad. Si quelqu'un veut prendre les zones, je peux lui mettre la chute lente. Hein. Non, je vais les faire dans 3 secondes. Je vais quasiment toutes les faire. Ouais, avec la BE. Vas-y, courage. Nickel. Ok, attention. On va commencer à prendre des dégâts bientôt. Hein. On est à 95%. Le mage. Et le mage. Et on repasse après sur le sur l'autre. Il est de retour. Il est de retour pour l'autre. Le dragon se réduira à néant. Allez. Ils vont se transformer. Focus sur le moine. Ouais, focus sur le moine. Du coup le temps que ça se passe bien, du coup je rappelle le mec. Dispel l'accro, oh, nickel. Grog. Faites juste gaffe au souffle hein, du coup. Ah, j'ai été. Je sais pas quoi. Ouais, il faut se mettre face au type. Ok, je suis mort, j'ai rien que. Je suis mort aussi.
C'est normal, mais... J'ai pas compris. En fait, en haut, justement... En fait, putain, j'étais surpris, il y avait trop de trucs à faire. Il y en avait trop en haut, quoi. Je pensais que j'étais seul, tu vois, tu sais, ou du moins on était tous phasés. Mais non, du coup, tu sais pas lequel viser, quoi. Et ouais, il reste plus que les tanks. Moi, j'ai pas été TP, hein. Ouais, enfin, en fait, c'est la moitié du raid qui monte. Je crois que c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut tomber le moine à tout prix avant. Ouais. Ah, c'est horrible, franchement, c'est horrible. Comme ça, je vais monter là-haut. Bah, allez, on va faire d'une façon. Pour cette phase là d'une façon ça change rien en fait. Ça change rien en fait, parce qu'elle est timée, elle arrive en pourcentage d'énergie cette phase. Ouais, mais justement elle arrive en pourcentage d'énergie, mais si on le mais le truc s'il arrive à 100%, ouais, c'est en temps en fait, voilà, c'est ça. Par contre après, ouais, voilà, le truc c'est que moi j'étais surpris en fait, je pensais qu'il allait avoir qu'une seule zone, et en fait tu vois, parce que vous en voyez qu'une, les tanks, quand vous montez. Là en fait, tu vois. C'est comme ça en tank, hein. Quand je l'ai fait en LFR, ça ressemblait à ça aussi en tank. Non, mais il y a pas autant aussi. Si. Bah, c'est bizarre, moi, les peu de vidéos que j'ai vu, il y avait que. Ouais, mais c'est des trucs non, mais LFR que t'as vu. Non, mais pas. Non, PTR. Pas LFR, je veux dire, mais. Mais là, je voyais, je pensais pas que j'allais voir les autres joueurs avec le truc en fait. Parce que là, tu vois tous les autres. Voilà, qu'en tank, tu vois que toi, quoi. Tu vois que ta zone à toi. Là, tu vois la zone de tout le monde en fait. Du coup, bah, j'ai pas su vous donner de la tête, quoi. Par contre, il y en a 4. Il y a 4 charges là. Possible. J'en ai bloqué 3, mais j'ai pas bloqué la 4ème. Faire quoi en fait là-haut là? Ouais, c'est ça. En fait, les ZAD, si tu regardes bien dès qu'ils pop, ouais, ils pop dans un certain ordre. Et en fait, faut que tu regardes dans l'ordre où ils ont pop. Quand tu les regardes, parce qu'en fait ils vont te charger, et si tu les regardes, tu as zéro dégâts. Si tu les regardes pas, ils font 50% de dégâts. Mais là on va changer, pour le dernier try de la soirée, on va garder la BL, on va la claquer sur la barrière. Oui, comme ça derrière on finit la BL sur le moine. Parce que le truc c'est que la barrière, elle a tellement de PV que... Du coup le portail c'est juste ici. Ouais, par contre, ouais, essayez de faire gaffe. Hein. Je sais que c'est pas facile, surtout quand vous êtes au cac et que ça pop au cac. Au milieu des marches. Les cercles rouges. Les cercles rouges, faites vraiment gaffe, quoi. Sinon, c'était bien mieux sans les dégâts d'AO dès le début du fight. Allez, ouais, du coup, ouais, c'est clair que si jamais vous réussissez en haut, si jamais il remonte, ça va être un buff DPS pour vous. Et qu'est-ce qu'il nous fait la chouette? Pourquoi elle vole la chouette? Bah, demande des ailes. Mmh. Allez, on est parti. Bah, t'en as une chouette, 5, 4, 3, 2, 1. Focus toujours le moine le plus possible. Attention, il est pas tank. Belle sur barrière. Je peux même pas me dispel moi. Ah, c'est pas moi qui fais. Dommage. Moine. Faites juste gaffe à la zone, hein, monsieur. Gêne. Dispel Mando accro, vite. Les orbes. Et les orbes, y'en a que deux qui peuvent en faire. Il y avait trois tout à l'heure, non? J'ai fail. Mais vite l'autre orbe. Vite le mage. Lâchez l'orbe, go le mage. Revenez sur l'orbe après. Vos défenses sont fragiles.
Thorak, easy. Thorak, Thorak, Thorak. J'ai tranquille. Voyons de quoi vous êtes. Duen. Je vais repasser sur le monde après. Il y a des pièges. Mage. Et go repasser sur le monde. Ouais, TP. Attention. La puissance du cosmos vous pulvérisa. Faites gaffe aux dégâts, les gars. Je peux pas prendre le portail. C'est pas grave, c'est pas grave. On tourne, on tourne, on tourne. Ouais. Dès que tout le monde est arrivé, c'est la BL. Voilà, mais ah là, bon. On attend trop là. Bah ouais, mais. Bon, go. Un BL. Tant pis pour les retardataires. N'oublie pas le mage qui va se TP. Donc il y a moins d'énergie, mais on a moins de pourcentage. Allez. Gaffe au piège. Go le mage. Sur le moine, je sais pas où il est. Le moine, on essaie d'aller au cac. J'y vais. Nickel, mort. Allez, l'esprit dès que j'y vais. Viens au cac. Ok, allez. Gaffe les pièges. On va les défermer en 10 secondes. Ok, on laisse faire. Ok, 10%. Ça va les trucs. On essaie d'appuyer sur le run. Donc le mage. Dès que le moine revient, on appuie sur le moine. Claquez vos bursts et tout sur le moine. Allez, go. Allons, le burst. J'ai oublié de lancer la vidéo. J'ai lancé OBS, mais j'ai oublié de lancer la vidéo. Quoi ? Dispel Wally. J'ai lancé OBS, mais j'ai oublié de lancer la vidéo. Ah, quelqu'un s'est DDF. D'ailleurs, j'ai récupéré. Allez, on appuie. Il va le lancer. Ok, là, c'est moi qui suis en bas. Est-ce que je peux wheel? Non, ça wheel pas. Ah, je, okay. Vois je vois ça le bug dont tu parlais, ok. Ça m'a dit bien jouer, bon. Mais ça m'a tué. C'est bon. Parce qu'il y en a 4 à vie, il y en a 4 à esquiver. Oh là là. Fini, c'est le moine. Ah! Ah, c'est vrai, il est mort. Non, c'est du. Il va y avoir des dégâts. Pas de spell. Du coup, il n'y a plus de res, c'est dommage. J'arrive pas à le tenir. J'ai res de personne en fait. Les gars, s'il vous plaît, claquez vos CD heal et tout. Je peux rien faire. Je vais être bloqué. Au secours. Il va me sauver le cul là.
Ouais, vas-y, de toute façon, c'est ouais. Parfait. Allez, vas-y, Crollo. Allez, 29. 30. Hey. 31. Allez. C'est la merde. 13% il lui reste là, allez. Ah, c'est Thorakek qui a pris, tiens. Ouais, c'est... Putain. GG, c'est pas mal. 33. 34. C'est pas un petit spot flash à chaque fois. Oh la vache. Dommage, dommage, c'était beau. C'est un peu tard déjà, c'est 8:20. Je fais un appel, mais bon, y a pas de soucis si on arrête. Non, y a trop de monde. Y a trop de monde. Qui manque. Par contre, mais j'ai pas réussi là-haut, hein. J'y arrive. En fait, en c'est haut, l'apprentissage. Il apparaît à plein d'endroits. Il faut oui. retenir où il apprend. Il faut bien se souvenir. Entre les 5, je crois que c'est ça, il y en a 5. Et après, du coup, en fait, il va recommencer à réapparaître aux mêmes endroits, dans le même ordre, mais il va te charger. Donc, en fait, il faut faire face dans l'ordre aux 4 endroits où il est apparu dans un point. Putain, finalement, c'est pas grave. Hein. Ouais, on mais. A failli, mais on l'a ouais, pas, hein. Mais. Ou sinon, achète un bloc de glace. Ça tue pas. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai bloc de glace quoi. Oui, mais j'ai pas de bloc de glace. Mais... Si tu veux, j'en vends. Un million. Je sais pas du tout, Titi. On regardera le pourquoi du comment. En tout cas, la soirée c'était parfait. On a failli le tomber. C'est... Il tombera la semaine prochaine. Du coup, ouais, comme je disais, mercredi, on repartira vite fait en normal pour essayer de rusher un petit peu tout ça et de finir le raid quoi. Histoire que tout le monde se réimprègne un peu de toutes les strats quoi. Surtout les derniers boss quoi, qu'on a très peu fait. Puisque du coup, le rempart et Jaina, on les a fait qu'une fois. Même si Jaina était assez easy, du coup. Oui, c'est vrai qu'elle était assez simple. Donc voilà, et à partir de lundi prochain, par contre, du coup, on partira. Enfin, en espérant qu'on ait fini le normal, on repartira donc en HM et pour le coup, jusque tout le temps en fait. Voilà. On finisse le HM et on verra ce qu'on fait. Prem, voilà, tu es en mode PVP ou pas? En tout cas, GG pour ce soir, les gars. War mode. Moi non plus, et n'hésitez pas à voir un petit peu le. Je vous mets un portail pour les derniers. S'il y avait juste eu un poil plus de DPS, en fait, j'aurais pas eu la phase de. Comment dire, du cercle après, en haut et c'était fini. Après, si ce truc file un burst de DPS, c'est qu'il y a sûrement. Enfin, c'est sûrement que c'est pris dans compte qu'il faille qu'on réussisse en fait, quoi. Oui, non, bien sûr. Non, mais si jamais on arrive à faire le DPS, parce que là, il restait 3% à faire quand on est monté. Hein. Du coup, juste on rajoute 3% de DPS sur le boss et y a pas la phase en fait. Et après, c'est free loot en fait. Tout simplement parce qu'il y aura toujours tout le monde en vie après, et nous, on pourra toujours dispel et c'est super simple. Là où j'appuie ce que vient de dire, j'ai pas fait attention qu'il avait fait la remarque justement, de s'il y a cette phase là et qu'on a un peu de DPS, etc. Honnêtement, à mon avis, il faudrait quand même qu'on le joue de cette manière-là, parce que si on veut aller plus loin plus tard, je sais pas, qui sait. Oui, bien sûr. Ce sera primordial que les gens le fassent en fait. Et je pense que le meilleur moyen pour qu'ils puissent le faire, c'est vraiment HM. Ah non, je ne suis pas connecté. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai remarqué des fois. Ça, je me suis pas connecté. Des fois, on tente sur Bennett. D'essayer de faire en sorte que la strat soit un peu plus facile et tout. Mais oui, je pense que pour certaines choses, ouais, c'est bon, important c'est aussi de faire la strat normale va oui, bien sûr. Un peu le truc. Oui, bien sûr, mais comment après, dire pour le first down, je suis d'accord avec toi, Ginam, tu vois. Non, mais même, de toute façon, après, on, malheureusement, avec le DPS qu'on aura, on fera toujours comme ça, malheureusement. Et puis, entre nous, pour l'instant, le mythique, c'est pas ce qu'on regarde en premier. On en reparlera quand bien on sera sûr, devant. Bien sûr. Mais voilà. Du coup, là, franchement, il manque pas grand chose, il manquait juste 3%. Bonne soirée, Cote. Bonne nuit, Cote. Bonne nuit. Voilà, non, après, franchement, c'était une belle soirée, il n'y a pas de souci sur ça. Et la prochaine fois qu'on viendra dessus, maintenant qu'on a compris en fait au niveau heal qu'il fallait pas que les gens s'écartent mais qu'on doit te dispel, effectivement, ça passe beaucoup mieux. Mais voilà. Non, en soi, il est très simple jusqu'à la P3 en fait. Et par contre, si on a. Mieux on passera le pourcentage, plus ça sera bien. Donc moi je vais valider cette question. J'arrive accro. Bon, j'ai 425 en moins. Tout le monde. Et puis bah, on se voit du coup mercredi soir. Pas avant Non, je serai là demain. M'attaque demain. Je serai là demain. C'est
C'est que 9000 PO les 385. Donc C'est pour ça qu'on va pas avant mercredi soir quoi en fait. Ah ouais, y'a un autre. Non, mais c'est, là, pas, c'est parce que Carmel veut du jus d'homme. Ah, oh, mais t'arrêtes tes conneries, oh. Manu chouchou. Manu tout le monde. Manu. C'est invité, Accro. Ouais. Voilà. Donc je vais rendre hommage au roi de mes couilles là, et puis après il faudra que je vois Prime. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... Du coup, on va peut-être arrêter là le stream. Hein. Tu es. Oui. Ok, tu vas là-bas. On va en bas. Allez, bonne soirée tout le monde. On a bien un assaut à Champérage aussi qu'il faudra qu'on fasse. Moins de trail que ce que j'avais prévu. Oh. Mais bon, j'avais confiance, je savais qu'on allait la tomber. Bah, il va me ramener. Bah, c'est simple. Que... Bah, bien sûr qu'elle est simple. Et juste voilà le coup des feux. Mais d'abord, que t'as pas je rends hommage au roi et à Thanos. Oui. Tu l'as vu de tes propres yeux. Non, mais oui, sur le coup, je. En fait, moi, quand pour moi, en fait, j'étais persuadé qu'il y aurait eu l'effet tranquille. Tu peux me le relink, s'il te plaît, Accro, ton métier. Tu vois, pas, tu m'écoutes pas. Non, mais c'est pas. T'as pas compris. Ah, mais j'ai des gorocos entre temps. C'est que pour moi, je pense que. On a le temps de dépasser les balistes, dans le sens où il en faut 4 ou 5 pour tuer le bateau. Et que le temps que t'aies fait les 3, en fait, il y aura toujours des mondes qui arrivent. Ça fait déjà 5000 de passer après la raid. J'ai l'impression, en tout cas. Ah, mais là, je sais pas où tu vas, je te suis, moi. N'importe quoi. Mais bon, du coup, par contre. Tant mieux que j'ai pas lancé la vidéo, du coup. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'attends au bateau là. Par contre, Sophie, tu dois pas essayer de parler avec les boss. Bye bye tout le monde. On va y aller après, attendre une seconde. Et on rend hommage au roi d'abord. Ou alors demain, tiens. Si demain, on testait Apex. C'est chiant. Mais moi, je l'ai pas installé donc c'est moi. Pas le miel par contre. Je crois que tu étais en cours. Non, parce qu'après, hier j'ai oublié, mais avant-hier, j'allais pas le lancer à 23h et laisser le PC tourner toute la nuit. Ah ben bravo, c'est ça mon bon. Je vais aller chercher après. Je vais demander à Jinem. Pas dans la merde, si avec toi. De quoi ? Tiens. De quoi, Jinem ? Je vais aller en chercher. Ah, c'est pas grave. C'est allez. Quoi, ah oui. Les cuissots charnus. Je le télécharge. Voilà. Cuissots laqués au miel, pardon. Excuse-moi. À bientôt. Très bientôt. Tout à l'heure, tout le monde vient à moi.